Amis de la résistance française et de la réaction républicaine, bonjour. Ce soir, lundi 10 juillet 2023, je reçois en direct Jean Robin pour parler de la Chine, et plus précisément pour répondre à la question « La Chine est-elle la principale menace pour la France ?» Alors, autant vous dire, chers auditeurs, que pour moi, c'est une occasion de parler de la Chine en général, vaste sujet dans tous les sens du terme, parce que la question elle-même, je répète, la Chine est-elle la principale menace pour la France, appelle une réponse évidente à mes yeux. Premièrement, oui, c'est une menace, la Chine est une menace, c'est sûr. Mais non, il y a des menaces plus importantes encore que celles de la Chine. Alors voilà, donc, shalom, shalom Jean-Robin, je vous salue. Alors, bonjour, Henri Desquin, enchanté. Je dois préciser que nous entretenons par Skype, parce que vous êtes au bout du monde, enfin au bout du monde, tout est relatif, hein, par rapport à nous qui sommes à Paris, capitale de la France. Si je ne m'abuse, vous êtes en Polynésie française, mais pas à Tahiti, à Mo'orea, est-ce exact ? Tout à fait, c'est l'île Sœur, donc à quelques kilomètres de Tahiti, et donc de Papeete, sa capitale. Voilà. Et alors, vous allez nous confirmer, puisque vous êtes dans l'hémisphère sud et quasiment aux antipodes, enfin quelques milliers de kilomètres près quand même, vous allez nous confirmer que les gens qui sont aux antipodes ont la tête en bas. Alors moi, je ne sais pas, enfin oui, certainement, mais moi elle est bien droite. Alors voilà, alors les mauvaises langues disent, Jean-Robin, que si vous êtes aux antipodes, c'est parce que vous connaissez l'arithmétique, moins par moins donne plus, et c'était pour vous remettre la tête à l'endroit. Est-ce exact ? C'est ce que disent les mauvaises langues, sans doute. Ouais. Les mauvaises langues. Bon, nous allons parler plus sérieusement de la Chine. Alors, avant de discuter de la menace chinoise, je voudrais faire deux ou trois remarques, sous le contrôle donc de mon interlocuteur Jean Robin. Premièrement, une nouvelle qui est statistique et qui est officielle, c'est que selon les calculs de l'Organisation des Nations Unies, la population de l'Union indienne a dépassé en avril 2023, donc il y a quelques mois, celle de la Chine. Actuellement, la population des deux pays est environ d'1,4 milliard d'habitants sur les statistiques officielles. Celles de l'Inde sont probablement assez correctes. On sait que celles de la Chine sont grossièrement fausses, y compris pour la démographie. Et donc ça fait vraisemblablement beaucoup plus que quelques mois, mais quelques années au moins, que l'Union indienne est plus peuplée que la Chine. J'ajoute qu'il faut prendre en compte le fait que la Chine est unitaire. Je suppose que l'ONU a compté d'ailleurs les quelques dizaines de millions d'habitants de Taïwan, Formose, dans ses statistiques, alors que l'Inde, au sens large, est divisée en sept États. Sept États, c'est-à-dire l'Union indienne, capitale la Nouvelle-Delhi, le Pakistan, le Bangladesh, le Népal, le Bhoutan, Ceylan et les Maldives. En ajoutant tout ça, on arrive bien plus qu'à 1,4 milliard d'habitants, on doit être pas loin de 2 milliards. Donc l'Inde est beaucoup plus peuplée que la Chine. Et ça va s'accentuer, puisque la Chine devient un pays de vieux et ne fait plus d'enfants. Deuxième remarque, il faut, je crois que maintenant c'est moins répandu, mais il faut dissiper l'illusion de beaucoup d'Occidentaux selon laquelle la Chine ne serait plus communiste, plus marxiste, qu'elle continuera à faire semblant, un peu comme Gorbatchev, depuis Deng Xiaoping, quand elle a libéralisé l'économie. Alors, il faut lire à ce sujet le livre d'Alice Ekman, qui s'appelle « Rouge vif ». Rouge vif, c'est... le titre exact, c'est « Rouge vif ». Rouge vif, l'idée communiste chinoise. Alice Ekman, qui est une sinologue, E-K-M-A-N, et c'est publié aux éditions de l'Observatoire. Donc franchement, c'est intéressant. Et vous voyez que contrairement à ce qu'on pourrait penser, le Parti communiste chinois est resté réellement marxiste. Les dirigeants du Parti communiste, à commencer par Xi Jinping, sont vraiment marxistes, ils ont des convictions marxistes. Alors vous me direz, mais comment se fait-il qu'ils aient libéralisé l'économie, plus ou moins, qu'ils aient accepté l'économie d'entreprise dans une large mesure ? Eh bien, il théorise cela par analogie avec la NEP. Vous savez, la NEP, c'est la nouvelle économie politique, nouvelle politique économique plutôt, de Lénine, qui a commencé par le communisme de guerre, terme de propagande, le vrai communisme,
qui a provoqué l'effondrement de l'économie et la famine généralisée en Russie, future Union soviétique. Et il a été obligé d'en faire une parenthèse de libéralisation qui a été finalement achevée par Staline quelques années plus tard. Donc pour eux, la libéralisation actuelle, c'est une NEP un peu prolongée, mais qui n'est qu'une parenthèse ou une étape pour arriver au succès final du communisme qui arrivera en Chine et dans le monde entier, c'est-à-dire la société sans classe et sans État à la fin. Ils sont vraiment marxistes, ils y croient vraiment. Sur ces deux points, Jean Robin, êtes-vous d'accord ? Ah, est-ce que Jean Robin... Oui, j'avais coupé mon micro, excusez-moi. Donc, oui, tout à fait. Alors, je précise que Alice Ekman, que vous avez cité, donc je suis d'accord moi aussi sur sa thèse. La Chine est évidemment communiste. Non, pas évidemment, mais elle est vraiment, mais pas évidemment. Il faut quand même se pencher sur le sujet comme elle l'a fait. Hein. Voilà, mais je précise, puisqu'elle est souvent invitée dans les grands médias, et elle n'est jamais présentée comme la young leader de la France-China Foundation qu'elle est pourtant. Donc elle fait partie d'un groupe d'influence de la Chine communiste en France, dont on aura l'occasion de reparler, je pense, et c'est assez important. Alors juste en préliminaire, si vous me le permettez, de me présenter, parce que déjà, enchanté, cher Henri de Lesquin et Pierre de Tirmont, Shalom. Maurice Seclin. Je répète ma salutation. Shalom Jean-Robin. Oui, et donc merci d'avoir accepté ce débat qui vous a été proposé par vos débuteurs. C'est pas un débat, c'est une... C'est une conversation, une discussion approfondie sur la Chine. D'accord. Ah, je croyais que c'était un débat. Bon. Non. Un débat, ça suppose une question à laquelle il faut répondre par oui ou par non, et qui oppose deux protagonistes sur le même plan, qui l'un penche pour le oui, l'autre pour le non. Je pense que ce n'est pas exactement la manière dont nous abordons ce sujet de la Chine, qui est un vaste sujet, je le dis, mais qui amène beaucoup de nuances. Hein. Mais je pense que vous pensez que ce n'est pas la première menace pour la France, alors que moi, je pense que c'est la première menace pour la France, quand même. Donc, on verra comment se déroule cet échange. Mais en tout cas, je voulais me présenter aux auditeurs qui ne me connaîtraient pas. Donc, je suis journaliste d'investigation, donc depuis 2005. Je suis auteur d'une soixantaine d'ouvrages, dont « L'histoire chrétienne de la France » et « Nous sommes en guerre hors limite », qui résume mes principales enquêtes depuis 3 ans sur la Chine. Et je viens de sortir un livre qui s'intitule « Ce que le monde doit au protestantisme ». Et d'ailleurs, permettez-moi un propos liminaire, cher Henri de Lesquin, puisque c'est la première fois que nous adressons la parole publiquement, et nous allons parler de la Chine, évidemment, mais je pense qu'il y a plus important que la Chine. Je suis bien d'accord. Plus important que tout d'ailleurs, et vous serez d'accord avec moi, je pense, c'est Dieu, puisque nous croyons tous les deux que Jésus-Christ est une des trois personnes de la Trinité, qu'il est le Fils de Dieu, mort et ressuscité pour les péchés des chrétiens. Et donc j'aimerais vous féliciter, sincèrement et du fond du cœur, d'avoir régulièrement parlé du calvinisme, donc de ma foi, en des termes relativement élogieux, loin de la diabolisation à laquelle certains catholiques revendiqués cèdent trop souvent à mon goût. Donc vous qualifiez le calvinisme d'hérésie, c'est votre droit, sinon vous seriez calviniste évidemment, et donc je ne vous en tiens pas rigueur, mais je tenais à vous remercier pour cette honnêteté intellectuelle au sujet de Calvin et de ses fruits. Non mais attendez, j'ai deux points de vue, j'ai le point de vue religieux et le point de vue politique, ou métapolitique, et le point de vue littéraire aussi. Donc, et je fais de la réinformation. La plupart des gens, quand on demande aux gens quelle est la nationalité de Calvin, ils vous disent il était suisse. Ce qui est doublement idiot, d'abord parce que la Suisse, il était à Genève, et Genève ne faisait pas partie à l'époque de la Confédération helvétique, elle y est rentrée, je crois, vers 1820. Et deuxièmement, parce qu'en réalité, il était parfaitement français. Tous ses ancêtres étaient français, il était picard et normand. Il est né à Nyon, me semble-t-il, en Picardie. Et de plus, j'ai découvert, justement, dans ces échanges, ces lectures et ces échanges sur Radio Courtoisie avec des penseurs, des intellectuels calvinistes, que... Presque comme Luther, en Allemagne, Jean Calvin est au fond le fondateur de la langue française classique. Alors le texte de Calvin original est quand même assez éloigné de la langue classique, mais il a représenté une évolution importante par rapport à l'ancien français. Et surtout j'avais découvert, alors il va dans une version un peu remaniée pour être adapté au français moderne, mais que Jean Calvin était un grand écrivain. Il faut lire l'institution de la religion chrétienne, mais c'est de la haute littérature, hein. C'est un grand écrivain. Bon, alors c'est un génie. Alors, vous avez écrit sur le rôle du protestantisme, plutôt du calvinisme, je suppose, dans Le Monde, mais je vous signale qu'un certain Max Weber l'a écrit avant vous, hein, dans un livre bien connu, que j'ai lu il y a bien longtemps,
qui s'appelle « L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme ». Alors, je ne sais pas si vous avez ajouté quelque chose à Max Weber, Jean-Robin. Oui, en fait, non, mon livre est très complémentaire de celui de Weber, qui date quand même d'un siècle. Moi, j'ai regardé un peu les fruits, un peu partout, du protestantisme, et notamment dans les langues, par exemple. J'ai tout un chapitre sur les langues, puisque non seulement le protestantisme a fixé le français moderne, mais aussi l'allemand, avec Luther, du fait de la traduction en langue vernaculaire. Mais ça, je viens de le dire. Les protestants de la Bible. Ouais. Voilà. Vous avez même le turc qui a pu être influencé par les protestants, puisque des protestants ont traduit la Bible en turc, et il y a des concepts qui n'étaient pas dans le turc initial, mais qui étaient dans la Bible et qui ont été apportés à cette langue comme à la plupart des langues les plus parlées dans le monde. Donc le protestantisme a eu cette influence aussi, mais on pourrait parler de toutes les inventions qui ont été apportées par les protestants du fait de la diffusion massive du capitalisme et de la révolution industrielle et scientifique. Alors oui, alors il faut quand même relativiser, le capitalisme n'est pas né en pays protestant, il est né en Italie du Nord, en pays catholique, et ensuite seulement dans les pays protestants comme les Pays-Bas et l'Angleterre. Alors, le point important, si vous voulez, c'est que moi je m'intéresse, j'aime beaucoup, comment dire, j'aime passionnément la patrie qui est la nôtre, la patrie française, enfin qui est la mienne en tout cas, je ne sais pas si elle est la vôtre. En tout cas, ouais, j'y habite. Hein. Depuis, j'y suis né et c'est ma patrie. Pourquoi ce ne serait pas ma patrie ? Je me bats pour elle. Vous n'y habitez pas. Visage découvert depuis une vingtaine d'années. Vous habitez à Mauréa, ce n'est pas la France. C'est à la France, mais ce n'est pas la France. Voilà. Alors, la Polynésie française, c'est en France. Non, c'est juridiquement en France. Mais personne de sérieux ne prétend que la Martinique, c'est la France, ni que Tahiti ou Mauréa, c'est la France. C'est à la France. Il oublie de cette préposition A et c'est une grave méprise. Mais ça, c'est un autre sujet. En tout cas. Pour en revenir au protestantisme qui nous fait sortir de la. Attendez, parce que vous avez dit une énormité quand même. Ici, il y a la loi. Une vérité. J'ai été traîné par exemple par le procureur de la République devant la justice française, ici, à Moréa. Je peux vous dire que je m'en rappelle. Hein. Donc, j'ai été lynché par les médias français, notamment une filiale de France Télévisions qui est ici. Non, mais c'est la France. Quel rapport avec le sujet ? C'est pas parce que la loi française s'applique qu'on est en France, voyons. Soyons sérieux. Ah bon, la loi française s'applique en dehors de la France ? Oui, la preuve, c'est qu'elle s'applique à Mauréa. Oui, absolument, alors que ce n'est pas la France. Non, bah non, ça c'est une tautologie, monsieur Lesquin. Mais ce n'est pas grave. Non, attendez, alors, là c'est grave, parce que vous avez une conception d'identité nationale qui consiste à croire que le droit ou la loi du pays définit son identité. Mais pas du tout. C'est une expression de son identité, mais on peut l'appliquer à des territoires tout à fait exogènes. Bon. Mais vous n'avez pas d'autres exemples ? Je ne comprends pas ce que vous dites. Vous n'avez pas d'exemple de territoire exogène où le droit français s'applique. Je comprends pas. Je vous dis que la France est une nation, et une nation se définit comme de la manière suivante. Une nation est une communauté de destin historique fondée sur les liens du sang, constituée autour d'une ethnie prépondérante sur un territoire continu. Alors, quand on est à la Martinique ou à Moréa ou à Tahiti, il n'y a pas de continuité territoriale avec la France, et l'ethnie locale n'a pas grand-chose à voir avec l'ethnie française. Voilà. Donc on n'est pas du tout en France, on est dans une possession de la France, alors qui peut être considérée comme la France juridiquement, mais c'est une fiction juridique. Ça s'appelle une fiction juridique. Bon, en tout cas, revenons au calvinisme. Ce qui me paraît important surtout, c'est pour ça que je me suis intéressé beaucoup à Jean Calvin, c'est qu'il faut faire comprendre aux Français, et en particulier aux catholiques qui sont volontiers ultramontains, catholiques traditionnalistes notamment, que le calvinisme est profondément inhérent à l'identité française. Calvin est un archi-français. Non seulement il était français lui-même, mais sa pensée rationnelle, rationaliste, logique, est typiquement française dans ses excès de rationalité. Je pense que vous êtes d'accord sur ce point, Jean-Robin. Évidemment. Bon, évidemment, j'en sais rien. Non, mais ce qu'il veut dire, alors moi j'aime bien d'ailleurs dire aux prétentieux anglo-saxons qui malheureusement ont la prétention de leur puissance actuelle, Angleterre, États-Unis, d'Amérique, qu'ils doivent tout à deux grands Français. Ils doivent leur État à Guillaume de Normandie. C'est Guillaume de Normandie qui a inventé l'État moderne. Hein. Concurremment d'ailleurs aux Normands d'Italie, du sud de l'Italie, les Hautes-Villes, qui ont inventé parallèlement l'État moderne, en même temps que ça devait être donc dans le sang des Normands de Normandie. Et donc ils doivent leur État à Guillaume de Normandie, Guillaume le Conquérant, et ils doivent leur religion, ou le noyau spirituel, à Jean Calvin, à deux grands Français. Et vous pouvez en rajouter un troisième avec Montesquieu,
qui a donné la séparation des pouvoirs aux États-Unis, qui malheureusement n'a pas été appliquée en France avec le Conseil constitutionnel et la Ve République. Tout ça, nous ne sommes pas en séparation des pouvoirs, hélas. Oui, Montesquieu, oui, mais Montesquieu, c'est beaucoup plus tardif. Quand je vous parle, Calvin, c'est quand même le XVIe siècle, donc Montesquieu a... Oui, bon, d'ailleurs, Montesquieu a une influence considérable aux États-Unis, mais pas en Angleterre, donc c'est plus partiel. Bon, donc, alors cela dit, puisque nous parlons religion, donc nous ne sommes pas encore entrés dans le sujet de la Chine, qu'il s'agirait de convertir au christianisme, à mon avis, d'ailleurs. Hein. Les protestants, ils travaillent, finalement. Ouais, les catholiques, un peu moins, malheureusement. Mais quand vous dites les protestants, c'est un amalgame. Ce sont les pentecôtistes hein, qui font un travail... Pas du tout, voilà. Non, pas en Chine, en tout cas. En Chine, ce sont des protestants calvinistes sont à l'œuvre. Pour en revenir maintenant... J'ai bien étudié le sujet, vous pouvez me croire. À la question religieuse, moi, je trouve que, quelles que soient les qualités, le génie de Jean Calvin, c'est un hérétique abominable. Et je lui reproche notamment... mais pas seulement, bien sûr, d'être revenu à l'Ancien Testament. Moi, je l'ai dit souvent, je suis semi-versionniste. Quand on lit l'Ancien Testament, on se demande comment le Dieu de l'Ancien Testament peut être le même que celui du Nouveau. Il faut un certain effort pour admettre que le Yahvé qui demande aux Hébreux d'exterminer les Amalécites, y compris les enfants à la mamelle, chapitre 15 du premier livre de Samuel, est le Dieu miséricordieux du Nouveau Testament. Donc, je lui reproche d'être revenu et d'avoir insisté sur l'Ancien Testament, sans vouloir comprendre et admettre la grande différence qu'il y avait entre les deux, ce qui d'ailleurs est absolument incroyable de la part de gens qui se réclament constamment pour la prédestination qui se réclame constamment des épîtres de Saint Paul, parce que Saint Paul a bien dit, chapitre 3 de la deuxième épître aux Corinthiens, c'est là où on trouve la fameuse formule « la lettre tue et l'esprit donne la vie ». La lettre tue et l'esprit donne la vie. Eh bien, il est dit, la nouvelle alliance, c'est l'alliance de l'esprit, l'alliance de la miséricorde, et l'ancienne alliance, c'est-à-dire l'Ancien Testament, c'est le ministère de la mort, le ministère de la condamnation. C'est très sévère. Bon, c'est dommage que Jean Calvin ait mal lu saint Paul. Bien. Non, je pense pas. Enfin, on n'est évidemment pas d'accord sur ce sujet. Je ne sais pas si je peux vous répondre rapidement, mais si on peut passer ensuite à la Chine. Mais saint Paul a cité énormément l'Ancien Testament, notamment les psaumes, mais pas que. Jésus lui-même, alors est-ce que vous allez reprocher à Jésus d'avoir cité l'Ancien Testament à l'appui de son propos, notamment quand il dit « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» il cite en fait psaume 22.2. Et donc c'est une référence permanente à l'Ancien Testament. Eloi, la masse abactani. Oui, c'est un cri déchirant de Jésus sur la croix. Et d'ailleurs, c'est un argument que c'est une citation que est bouleversante. Que j'aime bien rappeler, non seulement parce qu'elle est bouleversante, mais parce qu'elle nous rappelle que la langue maternelle, non seulement que la langue maternelle de Jésus c'était l'araméen et pas l'hébreu, mais même qu'il ne connaissait pas l'hébreu. Parce que sinon il aurait cité le texte original en hébreu, Eloi, Eloi, lama sabachthani, c'est dans Saint-Luc, il me semble, c'est de l'araméen et pas de l'hébreu. S'il avait appris la Bible en hébreu, il l'aurait cité en hébreu. Mais il citait quand même l'Ancien Testament, psaume 22.2. D'après le Targum, qui est la traduction en araméen. Bon, en tout cas, mais je vais finir sur cette discussion, enfin, je vais finir en tout cas pour ma part, en disant, écoutez, moi, pour la réfutation du protestantisme, j'ai un argument très simple, qui est celui de Bossuet sur les variations des églises protestantes. Dès lors qu'on admet le libre examen, qu'il n'y a plus de magistère, on peut dire n'importe quoi. Hein. Prenez deux protestants, ça fait une église, ou plutôt une secte. Prenez trois protestants, ça fait un schisme. Hein. Voilà, donc si on admet que le christianisme c'est la religion de la vérité, il faut admettre en même temps la nécessité du magistère qui, pour un chrétien, pour un catholique, est le résultat de la conjonction du pape et du concile œcuménique lorsqu'ils se prononcent conjointement sur des questions de foi ou de morale. Voilà pour moi l'infaillibilité du magistère. Très bien. Vous pourrez en parler à votre ami Adrien Abosi, qui essaie des vacantistes. Oui, mais c'est divisé chez les catholiques aussi. J'ai une discussion avec lui parce qu'il n'admet pas la fête, pourtant historiquement incontestable, c'est que le pape Honorius Ier était hérétique parce qu'il avait embrassé la doctrine monothélite, une seule volonté donc dans le Christ, et qu'il a été anathématisé par le 3e concile de Constantinople, 6e concile œcuménique, en 681
De notre ère, bien sûr. C'est un fait. Et j'ai même trouvé depuis un autre argument qui est en fait élémentaire, je dirais. C'est que le premier pape de l'histoire, qui était Saint-Pierre, tu es pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église, a dit Jésus, est tombé dans l'hérésie judaïsante. Et c'est Saint-Paul qui l'a ramené sur le droit chemin. Il suffit de lire les épîtres de Saint-Paul pour comprendre ce qui s'est passé. Saint-Pierre continuait jusqu'à ce que Saint-Paul le ramène dans le droit chemin, à manger cachère, à demander la circoncision. Il ne voulait pas prendre ses repas avec des non-juifs. Vous acceptez de prendre vos repas avec des non-juifs, je suppose, Jean-Robin. Alors, il faut vous renseigner sur le protestantisme, hein, monsieur de Lesquin. Non, mais attendez, je ne parle pas de... Le protestantisme est très libéral vis-à-vis de tout cela. Je ne parle pas de votre religion, je vous parle de vos origines. Alors, moi, j'ai un grand-père qui était juif, mais qui a été persécuté pendant la guerre et qui s'est marié avec une non-juive. Donc, il a été exclu de sa famille juive, vous voyez. Et moi, je n'ai aucun lien avec ma famille juive. Une partie est morte à Auschwitz, et l'autre partie, je n'ai aucun lien avec elle. Je l'ai rencontrée une fois dans ma vie. Bon, alors écoutez, j'aurais dû vous dire bonjour et pas shalom, je pensais... Voilà. C'est cela. Hein ouais. Mais remarquez, shalom, c'est gentil, ça veut dire bienvenue. Alors. Ou l'abdon, ça veut dire la paix, je crois. Non, ça veut dire paix. Paix, la paix, comme salam, salam alaikum. Salam alaikum. Bon, alors venons à la Chine. Donc nous sommes d'accord, je pense, pour dire que la population de la Chine est déclinante et qu'elle est inférieure à celle de l'Inde. Ça, c'est un fait incontestable. Deuxièmement, pour dire que ce pouvoir est vraiment marxiste. Alors expliquez-nous pourquoi vous estimez... Alors expliquez-nous quels sont, selon vous, les linéaments de la menace chinoise. Ah, voilà. Donc pour moi, la Chine est clairement la principale menace de la France. Alors j'y vois quatre raisons principales que je vais essayer de vous résumer. Donc comme je l'ai révélé il y a plus de 3 ans, parce que j'ai enquêté sur ce sujet en profondeur, la Chine nous a attaqués par une attaque biologique avec le P4, donc le laboratoire de très haute technologie que notre oligarchie a transmis à la Chine contre l'avis des États-Unis et d'une partie de l'administration française et des services secrets français. Très important de rappeler. Donc c'était l'œuvre... du funeste, vous parlez du funeste Philippot, moi je parle du funeste Chirac, du fourbe Raffarin. Vous parlez du fourbe Zemmour, moi je parle du fourbe Raffarin. Donc c'est une attaque, puisque Antoine Isambard, le journaliste, dans son livre, qui est paru en octobre 2019, a parlé de ce P4 comme d'une arme, potentiellement d'une arme biologique. Or, depuis que nous avons été attaqués par cette arme biologique, il n'en parle plus. Ça, c'est assez intéressant, et donc je suis le seul journaliste aujourd'hui à en parler. Donc cette attaque, selon moi, a causé donc une surmortalité de plus de 100 000 personnes, on le sait grâce à l'INSEE notamment, mais aussi des millions de blessés. Là, je parle uniquement pour la France. Hein, au niveau du monde, ça, c'est entre 7 millions de morts et 20 millions, selon les estimations. Il y a eu des dettes gigantesques, évidemment, des souffrances incommensurables, une disparition de beaucoup de nos libertés, du fait de notre oligarchie qui collabore avec la Chine, notamment, pour mettre en place en France son modèle, le modèle chinois. Nous sommes donc en guerre avec la Chine. Non, attendez, restons sur ce point précis, là, le point précis du Covid-19, ça c'est un point précis. Alors, je crois qu'il ne fait aucun doute, en effet, que le virus du Covid-19 est sorti du laboratoire P4 de Wuhan. Alors, bon. Si je peux me permettre de vous corriger, il faudrait dire « virus chinois ». Parce que Covid-19 est une expression utilisée par l'OMS pour justement ne pas dire chinois, alors qu'on a parlé variants brésiliens. Moi, je veux bien dire le virus chinois, c'est parce que je dis que c'est une évidence. Alors, c'est très important. Pourquoi c'est une évidence pourquoi est-ce une certitude? Il y a d'abord une... Alors, il faut quand même que nos auditeurs de Radio Athéna, nos amis de la résistance française et de la réaction républicaine, soient convaincus que c'est une vérité. Il y a d'abord une coïncidence extraordinaire de lieu et de date. Le laboratoire P4 de Wuhan, alors il faut savoir qu'un laboratoire P4, c'est un laboratoire de la plus haute sécurité. Parce que les manipulations sur les expériences sur les virus sont évidemment très dangereuses. Donc, lorsqu'on fait des manipulations sur des virus dangereux, il faut que ce soit très sécurisé. Donc, ce laboratoire P4 de Wuhan, qui effectivement avait été installé en France contre l'avis... du SGDN, notamment, contre l'avis de ceux qui tenaient la sécurité nationale, par Chirac, Raffarin, et aussi M. Lévy, le mari de Mme Buzyn, qui était à l'époque le directeur de l'INSERM. Donc ce laboratoire P4 travaillait sur des virus issus de chauves-souris. Et il avait été inauguré officiellement en 2017, mais c'est en janvier 2019 qu'il avait commencé à fonctionner. Et le virus est sorti à partir en octobre 2019.
Au passage, je tiens quand même à souligner un point amusant, important. Il y a moins, c'est moins fréquent aujourd'hui qu'autrefois, mais il y a cette idée fausse qu'il y aurait une proportionnalité nécessaire entre les causes et les effets. Alors, on sait depuis longtemps que c'est faux. Pascal avait dit le nez de Cléopâtre, s'il était plus court, toute la face de la Terre aurait changé. Et là, c'est absolument extraordinaire. C'est un virus unique sorti de ce laboratoire qui est l'ancêtre de tous les virus qui ont dévasté, qui ont provoqué cette épidémie dévastatrice, pour ce qui est en tout cas de l'économie et des mesures qui ont été prises à la suite de cette épidémie. Alors, simplement, vous pensez que c'est un plan, que c'est je pense que ce virus fasse... Alors, c'est certain qu'il est sorti de ce laboratoire. Il est très probable, comme le disait le professeur Luc Montagnier, qu'il a été manipulé pour devenir plus dangereux. Et le laboratoire P4 de Wuhan travaillait pour l'armée chinoise. Donc, c'est plus que vraisemblable. Quand vous dites que les Américains étaient contre ce laboratoire, pas du tout. Ils ont financé ce laboratoire, monsieur Robin. Ils l'ont financé. Alors, laissez-moi finir. Ils l'ont financé. Justement, ils ont envoyé, je crois que c'était en 2018, une mission d'inspection, puisque justement ils l'avaient financé, qui est revenue, ou plutôt qui a fait une note alarmiste. À l'ambassade des États-Unis en Chine, pour dire, écoutez, les conditions de sécurité ne sont absolument pas respectées. Il faut savoir que même quand les conditions de sécurité ne sont pas respectées, il y a parfois des accidents. Personne n'est parfait, il y a parfois des erreurs. Bon. Mais en Chine, c'est pire. D'abord, les Chinois, je ne vais pas les diffamer, mais c'est un peuple très sale. Hein, et ça se voit partout. Et donc, les conditions de sécurité n'étaient pas du tout respectées. On prétend d'ailleurs que les laborantins ou les chercheurs du laboratoire P4 en question revendaient les animaux d'expérience pour en tirer un peu d'argent, qui balançaient les effluents dans le tout à l'égout sans s'en préoccuper. Bon. Donc, toutes les conditions étaient réunies pour qu'il y ait un accident. Comme la Chine a été la première victime de cet accident, je pense que c'est un accident, que ça n'était pas volontaire. Donc, quand vous en faites un plan... Je ne vous accuserai pas d'une théorie du complot, mais je vous accuserai vraiment d'animisme, de vouloir absolument que ce soit intentionnel. Un accident, par définition, ce n'est pas intentionnel. La Chine a mal géré cela, et c'est pour ça qu'il y a eu un accident. Alors, dans les arguments supplémentaires qui prouvent l'origine du virus chinois, comme vous dites, très bien, il y a aussi le fait que la Chine n'a jamais voulu qu'on fît une enquête sérieuse sur le sujet, qu'elle a détruit des bases de données qui auraient permis de remonter jusqu'à la source. Elle a tout fait pour cacher l'origine de la chose. Ça prouve bien qu'elle avait quelque chose à cacher. C'est une preuve complémentaire, si vous voulez. Donc la coïncidence de lieu et la coïncidence de date, on sait que c'est un virus qui dérive lointainement, plus ou moins lointainement, des chauves-souris, des virus de chauves-souris, que c'était justement le sujet dont on... sur lequel on faisait des recherches au laboratoire P4 de Wuhan. Donc toutes les conditions sont réunies pour conclure que c'était certainement un accident de ce laboratoire qui était dirigé en dépit du bon sens, et où les conditions de sécurité n'étaient pas du tout réunies, alors même qu'on travaillait sur des virus extrêmement dangereux. Donc lorsque l'excellent professeur Didier Raoult, qui a un défaut, c'est qu'il est sinolâtre, nous explique que vraisemblablement il faut chercher une piste animale, c'est une plaisanterie. C'est parce qu'il veut faire plaisir à ses mentors ou à ses financiers chinois. Mais c'est pas sérieux. Je pense que vous êtes d'accord avec moi pour dire que ce n'est pas sérieux, Jean-Robin. Oui, professeur Raoult est un agent du Parti communiste chinois. Je l'ai dit depuis 3 ans et il ne m'a jamais attaqué en diffamation. Non, c'est un peu excessif. C'est pas parce qu'il est sinolâtre que c'est un agent. Il doit recevoir un peu d'argent du Parti communiste chinois. Oui, d'accord, mais ça n'en fait pas un agent. Alors un agent, c'est celui qui agit. Donc il agit pour la Chine communiste, dans ce sens-là. C'est strictement un agent. Moi, je pourrais vous accuser d'être un agent de la CIA, puisque vous agissez pour les intérêts américains. Alors précisément, non, puisque la CIA prétend que le communisme et l'URSS sont tombés à cause des actions de Ronald Reagan et du pape. Moi, je prétends le contraire. Donc c'est vous que je pourrais accuser d'être un agent de la CIA, oui. Mais on irait peut-être un peu loin, là. Je voudrais revenir sur... C'est n'importe quoi, je ne vois pas comment vous pouvez m'accuser. Écoutez, moi je considère justement qu'il y a une menace bien plus grande que la Chine, c'est l'impérialisme yankee,
qui n'est même pas la menace, parce que la menace principale, non, je donne tout de suite la solution, la menace principale, ce n'est même pas l'impérialisme Yankee, qui serait d'ailleurs tempéré si c'était Trump et non pas Biden, c'est la superclasse mondiale et la superstructure mondiale sur laquelle s'appuie la superclasse mondiale, c'est-à-dire l'ONU, l'OMC, le GIEC, etc. Bon, voilà. Ça, la menace principale, c'est ça, la superclasse mondiale. Voilà. Et l'idéologie cosmopolitique qu'elle défend et qu'elle nous impose. D'accord. Alors, je voulais répondre quand même, mais vous défendez que c'est à cause des États-Unis et du pape que l'URSS s'est effondrée, n'est-ce pas ? Je n'ai jamais dit ça. Mais non, je vous demande. Vous me prêtez. Vous affirmez, vous défendez. Mais moi, j'ai une autre théorie. C'est la théorie. Elle s'est effondrée de l'intérieur et pas du tout à cause de Reagan, pas du tout à cause du pape. Elle s'est effondrée de l'intérieur. J'ai une théorie des générations. Pour faire une révolution communiste, qui est abominable évidemment, une révolution générale, il faut des révolutionnaires. Et des révolutionnaires, ce sont des gens extrêmement coriaces, très durs, très méchants, très violents, très, très courageux en même temps. Hein. Et donc, tant que la génération des révolutionnaires est au pouvoir, il est pratiquement impossible qu'elle perde le pouvoir. Sauf une action extérieure. J'ai un exemple contraire, mais qui est partiel, et qu'on va vite corriger, c'est le Nicaragua. Les sandinistes et les communistes, ils ont pris le pouvoir, et c'est un petit pays, après l'effondrement de l'URSS, les sandinistes ont perdu le pouvoir. Mais ils sont restés à l'affût, et ils ont repris le pouvoir bientôt après. Bon. Donc, ce qui s'est passé en... je fais un parallèle d'ailleurs avec l'armée. Dans une armée, quand on ne fait pas la guerre, c'est impossible de sélectionner les meilleurs généraux. Donc le maréchal Pétain, le futur maréchal Pétain, en 1914, était colonel en retraite. Alors c'était un génie militaire. Alors c'était peut-être parce qu'il n'était pas franc-maçon. Il y a eu l'affaire des fiches, général André. Mais aussi c'est parce que... il n'y a aucun moyen de sélectionner correctement les qualités militaires quand il n'y a pas de guerre d'aucune sorte. C'est finalement, l'armée devient une bureaucratie, on avance à l'ancienneté, au favoritisme, que sais-je. Bon. C'est pour ça qu'au début de la guerre de 1914, les officiers n'étaient pas très bons, mais ça s'est rapidement amélioré à l'épreuve du feu. Mais c'est un peu la même chose pour la Révolution, qui est une forme de guerre d'ailleurs. Lorsqu'en URSS, lorsqu'il n'y a plus de révolution, la première génération a disparu. Khrouchtchev était encore un révolutionnaire qui avait la foi. Ensuite, ils ont été remplacés par des bureaucrates qui ont avancé à l'ancienneté. Gorbatchev était une caricature. Moi, j'ai compris que la perestroïka, c'était la fin du communisme, alors que Alain Besançon, qui vient de mourir, expliquait pas du tout que c'était un simulacre, en lisant tout simplement le livre de Gorbatchev, Perestroïka. Il disait oui, le marxisme c'est très bien, mais il y a mieux que le marxisme, ce sont les valeurs universelles. Alors je me suis dit, le gars, franchement, il n'est plus marxiste, c'est la fin. Et c'est ce qui s'est passé. Et donc, je crois que c'est une évolution interne. Si vous voulez, le communisme est un millénariste qui annonce le paradis sur Terre. Alors, ils y ont cru longtemps, mais 1991-1917, ça faisait combien, 84 ans, il était difficile de croire que le communisme allait réaliser le paradis sur Terre plus de 80 ans après. Donc ils ont perdu la foi. Ils ont perdu la foi, et la différence, c'est qu'en Chine, ils ont encore la foi. Jean-Robin. Donc, je vous invite à lire « Des mensonges pas si nouveaux », qui est un livre d'un transfuge du KGB qui s'appelle Anatoly Golitsyn, et qui prétend, il le démontre d'ailleurs très, très bien, que en fait, le communisme fait le mort, mais n'est pas mort. Et l'URSS ne s'est pas effondré ni à cause d'un effondrement sur lui-même, ni à cause de Reagan et du pape, qui est la thèse de la CIA donc, mais du fait d'un plan à long terme qui visait à priver l'Occident, et notamment les États-Unis, d'un ennemi, pour mieux l'infiltrer, le subvertir, et au final le tuer, ce qu'on voit aujourd'hui avec le wokisme. Alors, honnêtement, je vous arrête tout de suite, cette théorie est délirante et ne repose sur rien. Non, alors... elle est complètement fausse. Vous ne la connaissez pas, attendez. Elle est fausse. Mais si, j'ai très bien compris. Elle est fausse. Ah, vous la connaissez ? Vous avez lu Anatoly Golitsyn ? Mais non, vous venez de l'exposer. Vous venez de l'exposer. J'en sais assez pour savoir qu'elle est délirante. Voilà. Non, vous ne savez rien, en fait, sur ce sujet. Mais si, rien. Bien sûr que si. Vous n'avez pas lu Anatoly Golitsyn. Mais c'est pas parce que vous... Non, d'ailleurs, je ne lirai pas un charlatan de cette espèce, excusez-moi. Vous ne connaissez pas sa thèse. Mais vous venez de l'exposer. Elle est très claire, c'est un charlatan, c'est clair. C'est un charlatan. C'est un charlatan qui a fait 139 prédictions correctes sur 148, c'est-à-dire 94% en 1984 sur la chute prétendue de l'URSS. Donc il avait accès au plan.
Mais non, il n'y avait aucun plan, mais c'est faux. Alors, si vous voulez, ça, c'est, vous êtes dans l'animisme. C'est-à-dire, vous croyez que tout ce qui se passe est l'effet d'un projet. Eh ben non. Vous ne pouvez pas faire 139 prédictions correctes c'est vous qui le dites, sur 148 qui sont vérifiées dans les 10 ans, d'après l'historien Mark Kribling de l'Hudson Institute, Citez-moi une prédiction correcte qu'il a faite. La chute du mur de Berlin, la chute du pacte de Varsovie, la chute de l'URSS, il a annoncé ça 10 ans à l'avance. Bien mieux. Attendez, comment s'appelle cet auteur qui a annoncé la fin de l'URSS en 1984, j'ai son nom au bout de la langue. Emmanuel Todd. Non, c'est pas Emmanuel Todd, c'est Amalric, je crois, il s'appelle, qui a annoncé. Bon. Mais là, on est sur 130. Écoutez, je vais même vous dire mieux. Gustave Le Bon, le génie Gustave Le Bon, avait annoncé deux choses. Premièrement, l'avènement certains du socialisme, et deuxièmement, la chute certaine du socialisme. Sauf qu'il croyait, il n'avait pas compris, il n'avait pas prévu que le socialisme pourrait durer aussi longtemps, 1917-1991, c'est quand même énorme. Et je veux dire que Staline est un grand génie de l'histoire de l'humanité, un génie diabolique évidemment, satanique, parce qu'il a fait durer un système invraisemblable, en créant un corset de terreur, terrible. Pierre de Tirmont, peut-être faudra-t-il demander aux auditeurs de poser leurs questions. Pourriez-vous poser les questions des auditeurs pour que... Je vous rappelle que c'est en direct, Jean-Romain, et donc ouais. Les auditeurs ont le droit de poser des questions. Je les poserai. Oui. Très bien. J'aimerais préciser que M. Le Bon, donc, que vous citez positivement, s'est trompé, puisque le socialisme... Non, M. Le Bon, Gustave, il est mort. Il est mort depuis... Il est mort eh bien, il s'est trompé, M. Le Bon. Je connais bien la psychologie des foules, etc. Il s'est trompé, puisque nous venons de parler du marxisme ultra-dominant en Chine. Donc le marxisme n'est pas mort. Il est par ailleurs dominant, puisqu'il y a une centaine de partis communistes dans le monde qui se sont réunis à la dernière fête de l'humanité autour de Fabien Roussel. Donc le communisme n'est pas mort, c'était justement le stratagème décrit par Golitsyn dans son livre « Des mensonges pas si nouveaux », qui a été censuré pendant 38 ans avant que je ne le traduise moi-même, ce qui n'est pas normal. Le marxisme n'est pas mort puisqu'il est très vivant en Chine, voilà. Et accessoirement de manière un peu hétérodoxe, en Corée du Nord ou éventuellement aussi au Vietnam. Bon. Il n'est pas mort, mais il est mort dans sa patrie. Il est mort dans sa patrie qui était l'URSS. Là, en URSS, il est mort, voilà. Il est mort. Et aujourd'hui, alors je rappelle aux auditeurs de Radio Athéna ce que c'est que la gauche. Quels sont les deux pôles antagonistes. Est-ce que, monsieur Lesquin, je veux bien vous écouter parler là, mais vous m'avez invité. Donc j'ai beaucoup de choses à dire. Et là, je vous passe mon temps à vous écouter. Est-ce que je peux présenter des faits aux auditeurs de Radio Athéna? Ce ne sont pas des faits. Vous présentez le discours délirant de Golitsyn. Écoutez, passons à autre chose. J'invite les gens à lire son livre. Mais non, ne perdez pas trop de temps. Vous ne pas le lire, c'est votre choix. Mais au moins, pas votre temps. Je l'ai présenté. Mais maintenant, j'aimerais qu'on parle de la Chine. On a à peine abordé le sujet. Je voulais vous répondre sur le fait que les Américains, comme vous l'avez dit de manière erronée, avait financé ce laboratoire. Bon, est-ce que je peux vous répondre sur ce point ou pas? Je pense que ça intéresse nos auditeurs. Vous pouvez pas me dire le contraire, c'est un fait. Alors, ce qui est un fait, c'est que les Américains ont refusé la demande des Chinois. Il faut reprendre la chronologie. En 2001, la Chine rentre dans l'OMC. Elle demande aux Américains d'avoir un laboratoire de niveau P4. D'accord? On se demande pourquoi. Pour faire avancer la science et empêcher les nouvelles pandémies. Voilà leur prétexte. Les Américains refusent, c'est très important de le dire quand même. Ils avaient le P4, comme la France d'ailleurs. Ils ont refusé de le donner à la Chine en disant qu'ils pourront faire des armes biologiques avec. C'est encore un régime communiste qui a Mao un peu partout sur les billets de banque, sur la place Tiananmen, etc. Ils sont encore communistes. Donc ils ont refusé. Raffarin, nommé Premier ministre, alors que c'était un agent déjà de la Chine depuis 1976, où il avait été en Chine avec les jeunes giscardiens, il avait ramené un compte-rendu de ce voyage, avec d'ailleurs le fils de Giscard, qui a pris la tête du Club Med, qui est aujourd'hui dirigé par les Chinois. Eh bien, ils ont ramené un livre, « Voyage en jaune », ça s'intitule, qui faisait l'apologie de la Chine de Mao. D'accord ? Donc Raffarin était un agent déjà, depuis 1976, de la Chine communiste, Chirac l'a nommé Premier ministre. Donc il savait très bien qui il nommait à la tête du gouvernement français. C'était un agent, et ça n'a pas loupé. Raffarin a donc donné un blanc-seing à la Chine pour transmettre toutes les technologies P4. Oui, mais nous le savons, ça, nous l'avons déjà dit. Oui, mais c'est pour rappeler que donc les Américains étaient contre. Donc ils n'ont pas financé à ce moment-là le P4. Ensuite, ils l'ont financé après.
Alors voilà, mais déjà c'est important de le préciser parce que excusez-moi, là vous chicanez, les Américains ont financé ce laboratoire. Pas. Les Américains, ça veut dire le gouvernement américain. Or le gouvernement américain a toujours été contre. Il y a même eu un moratoire sous Obama pour interdire ce genre de financement. Le moratoire qui a été levé sous Trump. Alors là, effectivement, on peut se demander pourquoi. Mais parce que, notamment, Fauci était à la manœuvre. Et c'est Fauci qui, en douce, avec son complice Peter Daszak, ont financé des recherches, mais sans l'aval du gouvernement américain, c'est-à-dire la DARPA a été sollicitée pour financer, et elle a dit non, c'est trop dangereux. Écoutez, donc, voilà, écoutez la machine administrative américaine est compliquée, mais ce qui est certain, c'est que les organismes publics américains ont financé ce laboratoire. Et d'ailleurs, Fauci, qui est donc, je rappelle, c'est Antonio Fauci, me semble-t-il, hein, qui était donc le grand maître de l'Office des maladies infectieuses aux États-Unis. Il a joué un rôle désastreux dans l'épidémie, dans la gestion de l'épidémie de Covid-19 ou de virus chinois, et il a accepté ou même demandé le financement de gains de fonction. Le gain de fonction, ça veut dire qu'on va manipuler un virus pour qu'il ait des fonctions nouvelles, c'est-à-dire des fonctions qu'il rend plus dangereuses, en fait. Donc on est vraiment devant des actes irresponsables, sinon criminels. Et donc les Américains, Fauci était américain, c'était un haut fonctionnaire américain, et donc les Américains sont bien coupables d'avoir aidé au fonctionnement de ce RP4, d'où est sorti ce fameux virus chinois, qui était un peu un virus, en fait, on peut dire, sino-américain. Non, on ne peut pas le dire. Et même franco-sino-américain. Non, là non plus. La France avait financé à l'origine. Attendez. Non, mais la différence, c'est que moi, j'ai enquêté sur ces sujets depuis 3 ans, pas vous. Donc, Bien sûr que si, j'ai enquêté. Vous m'invitez. J'ai une pile de 1 mètre de coupures de journaux sur le sujet, vous plaisantez. J'ai lu tout sur le sujet. Donc, on dit la vérité dans la presse française maintenant. Et puis sur Internet, etc. Alors, donc, j'en sais autant que vous sur le sujet, rassurez-vous. Non, vous n'en savez pas autant que moi, monsieur de Lescar. Comme je n'en sais pas autant que vous sur certains sujets que vous avez plus creusés que moi. Soyons sérieux. Je sais bien plus que vous sur le sujet du Covid. Parler de ces sujets. Donc, je vous explique ce que j'ai trouvé, si ça vous intéresse. Donc, vous m'accusez de dire que c'est un plan, que c'est planifié, c'est délirant, etc. Comment ? C'est délirant. Oui, donc vous m'accusez, c'est ça. Mais je n'accuse pas, je n'accuse personne. Je vous dis que lorsque vous dites, le virus est sorti accidentellement du laboratoire P4 de Wuhan, la Chine est entièrement responsable parce que c'est elle qui gérait, c'était chez elle. Mais ce n'était pas un plan, ce n'est pas un plan, c'est un accident. Donc elle ne l'a pas voulu. La meilleure preuve d'ailleurs, c'est qu'elle a été la première victime de cette épidémie qui était parue chez elle. Oui, mais ça, vous empilez les erreurs. Donc je vais mettre du temps à les expliquer. Donc effectivement, on peut croire que c'est un accident quand on n'a pas creusé la question, mais quand on a creusé la question. Mais est-ce que je peux vous répondre ou vous voulez rester dans votre ignorance, monsieur de Lescar? C'est vous qui êtes ignorant, qui délirez, écoutez. Alors, je vous explique. Est-ce que vous connaissez le Daily Mail? C'est la publication la plus lue au monde. Dans votre pile de journaux, est-ce qu'il y a le Daily Mail du 8 mai 2021, Venez-en au fait, au lieu de faire perdre du temps. Non, parce que il faut être sérieux. Oui, je suis donc sérieux, ce journal en ligne le plus lu au monde a publié une enquête le 8 mai 2021, c'est-à-dire un an après que j'ai annoncé que la Chine avait déclenché la Troisième Guerre mondiale avec un coronavirus. Et ce Daily Mail disait, texto, que dès 2015, la Chine, ils ont trouvé des documents officiels, mais cachés par le sceau du secret. Donc, expliquant que la Chine voulait déclencher la Troisième Guerre mondiale avec un coronavirus, dès 2015. Donc, cette enquête du Daily Mail, elle prouve ce que je dis, et elle invalide la question de l'accident, qui dédouane quelque part la Chine. Si c'est un accident, c'est un laborantin qui a mal fermé la porte, alors. Exactement. Ça n'a aucun sens. Comment ? Oui, exactement, c'est ce qui s'est passé, oui. Mais ça n'a aucun sens. Que vous voulez mettre sur le dos d'un laborantin 20 millions de morts et toutes les conséquences. Donc, il faut être sérieux. Alors, écoutez, vous êtes encore dans l'erreur de logique qui consiste à croire à la proportionnalité des causes et des effets. Absolument indéniable, qui ne faisait pas partie apparemment de votre veille. Donc, simplement parce que c'est un travail, voilà. J'ai fait ce travail que vous n'avez pas fait. C'est pas le sujet. C'est ridicule de dire j'ai travaillé. Ce que je sais, c'est que lorsque vous dites que c'est un plan, c'est absurde. Vous pouvez me dire que 2 fonds 5, quand j'ai travaillé et j'ai démontré que 2 fonds 5, c'est absurde, c'est tout. Voilà. Mais j'ai cité le Daily Mail. Le Daily Mail, c'est une autorité scientifique, ça c'est sûr. Hein. Non, écoutez, moi je vous cite le fait simplement
que l'accident est très probable, et même certain, que la Chine n'avait pas du tout intérêt à faire ça, et que l'épidémie, d'ailleurs, dont vous surestimez considérablement les conséquences, il n'y a pas du tout eu les millions de morts que vous dites, ce sont les statistiques officielles qui sont gonflées. On a créé, on a créé une panique totalement artificielle, alors que ce n'était jamais qu'une méchante grippe. Il n'y a jamais eu 100 000 morts. Mais lisez Jacques Chaillot, par exemple, qui a écrit sur le sujet. Il faut revenir au sérieux, il faut revenir aux choses sérieuses. Je vis en Polynésie, monsieur Delesquin, et donc j'ai été le seul journaliste, à ma connaissance... Mais ne parlez pas toujours de vous, parlez du sujet. Mais je parle du sujet. Parlez du sujet. Le sujet, c'est la Chine, ce n'est pas Jean Robin. Je parle de ce que je connais, monsieur Delesquin. Excusez-moi de vivre en Polynésie et d'avoir vécu l'épidémie ici, quand monsieur Macron est venu fin juillet 2021, qu'il y avait zéro mort depuis 6 mois, et quand il est reparti 4 jours plus tard, il y a eu 500 morts, d'accord, en un mois et demi. Les personnes étaient très peu vaccinées, et il n'y a pas de corrélation entre le vaccin et les morts. Par contre, il y a une corrélation très claire entre le virus que monsieur Macron a amené dans ses valises, avec ses 180 personnes dans 4 avions, donc ne respectant pas le réchauffement climatique, au passage, et personne n'en a parlé. Et là, c'était 500 morts dus au virus. Donc M. Chaillot, lui, il n'en a pas parlé. Vous voyez, personne n'en a parlé en France à part moi. À part moi. Écoutez, cessez de me dire moi. Je parce le regrette. Que c'est pas le sujet. C'est un fait. Le sujet n'est pas moi. Le sujet, ce n'est pas Jean Robin, c'est la Chine. Oui, justement. Revenons au sérieux. Macron est venu importer ce virus dans un endroit qui est un peu un laboratoire. Il est isolé de tout. Il y avait zéro mort depuis 6 mois, je répète. Il s'est passé à peu près la même chose en Nouvelle-Zélande, en Nouvelle-Calédonie, pardon. Et donc, c'est ça qui est intéressant, M. Delesquin. Si on est attaché aux faits, comment vous expliquez ces 500 morts qui, rapportés à la population de la métropole, représentent 150 000 morts, d'accord ? Parce qu'il faut multiplier à peu près par 300 la population. Donc, vous m'expliquez comment ce virus n'était qu'une peur créée, etc. C'est faux. Mais non, j'ai jamais dit que c'était une peur créée, etc. Je n'ai jamais dit ça. J'ai dit simplement qu'on avait exagéré les conséquences du virus, qu'il a fait beaucoup moins de morts qu'on ne l'a dit, c'est tout. Mais je n'ai rien dit de plus. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de... Au contraire, on l'a mis... Et moi, je peux même vous dire une chose, elle qui est très concrète, qui ne prouve rien, mais qui est très concrète. Je connais, sans me vanter, parce que là, je vais me parler de moi. Je connais beaucoup de monde. Je ne connais strictement personne qui soit mort à cause du virus. Je connais beaucoup, 2 personnes dans ma famille qui sont mortes avec le virus, mais aucune personne qui soit morte à cause du virus. Autrement dit, c'est la comorbidité qui est la plupart du temps et la cause des gens qui sont morts avec le virus. Bon, voilà. Donc, on a exagéré considérablement. Alors, pourquoi ? Alors là, il y a peut-être eu un plan, effectivement. On a voulu créer la panique. J'avais fait en octobre 2019, donc avant le Covid... Septembre-octobre 2009, avant que le Covid arrive en France, en tout cas avant qu'on en parle, une vidéo qui s'appelait le catastrophisme, arme de sidération des foules, qui est maintenant sur BitChute. Elle a été censurée sur YouTube, donc elle est sur BitChute. Et je n'avais évidemment pas prévu le Covid lui-même, mais j'avais prévu des catastrophes qui allaient être exploitées. On avait déjà le réchauffement climatique et on a aussi maintenant le Covid. On a exagéré beaucoup. Expliquer que c'est une guerre que la Chine a fait au monde, c'est délirant, désolé. Voilà. C'est une responsabilité lourde de la Chine, considérable, c'est vrai, mais ce n'est pas de la guerre. C'est de l'impéritie. Le régime marxiste chinois est atteint d'impéritie. C'est ça. Donc je pense que vous minimisez cette menace chinoise, notamment parce que vous êtes fondamentalement anti-américain. Et donc ça ne vous va pas que la Chine puisse être à l'attaque dans tous les domaines, de TikTok à l'attaque biologique, des cyberattaques qui sont donc... TikTok, c'est au vu au sud de tout le monde, par exemple. Je ne sache pas que vous ayez condamné TikTok par le passé, je ne vous ai pas entendu le faire. En tout cas, moi je suis pour son interdiction, comme l'Inde. La Chine est une menace. La commission du Sénat, qui est en train de se pencher sur le sujet, a dit, ce n'est pas d'ailleurs nouvelle, que TikTok, application chinoise, exploitait les données personnelles de dizaines ou de centaines de millions d'Occidentaux, et qu'elle les mettait à disposition du Parti communiste chinois. Donc il faut interdire TikTok, bien sûr. Évidemment que la Chine est une menace sur ce plan, notamment. Elle peut être aussi une menace économique. Ce qu'il ferait sur TikTok, il ne le ferait pas au niveau de l'attaque biologique. Je pense qu'une bonne méthode pour savoir la réalité, la vérité, c'est de regarder à qui profite le crime. Ça nous est interdit aujourd'hui par les Rudi Reichstadt et Tristan Mendès-France de ce monde, mais je pense que c'est pour ça que ça nous est interdit. C'est parce que c'est vrai. Quand on regarde à qui profite le crime, la Chine est le principal gagnant
de cette attaque. C'est le seul pays du G20 à avoir une croissance en 2020, comme l'a souligné Bolsonaro, qui a accusé directement la Chine, alors qu'il était à la tête du Brésil, hein, qui n'est quand même pas une petite économie, d'avoir commis une attaque biologique contre son pays. Bon, et il l'a payé ensuite de sa place, hein, puisque maintenant il y a le communiste Lula à la place. Donc le communisme n'est pas mort, loin de là. L'annexion de Hong Kong a été permise par l'interdiction des manifestations grâce au virus chinois et aux mesures de confinement qui ont été imposées. Trump a été viré du pouvoir pour avoir trop tenu tête à la Chine pendant son mandat. Les JO de Tokyo ont été repoussés et ils ont dû avoir eu lieu sans public, ce qui a coûté une fortune au Japon, qui est un ennemi de la Chine, hein, je rappelle. Il y a eu donc l'attaque de l'OTAN, de l'intégralité des pays de l'OTAN, sans représailles, puisque l'article 5 de l'OTAN n'inclut pas les attaques biologiques. Donc c'est une stratégie très... Bon, écoutez, je vous arrête là, vous êtes dans le délire. Il n'y a pas eu d'attaque biologique. Il y a une épidémie, ça s'appelle une épidémie. J'ai beaucoup de respect pour vous. Ça s'appelle une épidémie. Ça s'appelle une épidémie. Une épidémie, c'est pas une attaque... Une attaque biologique, je supposerais que ce soit... D'ailleurs, si ça avait été une attaque biologique, les Chinois n'auraient pas fait sortir le virus à Wuhan, ils l'auraient fait sortir à New York. Bon, évidemment. Non, vous l'avez dit vous-même, ils avaient la main sur leur propre P4. Donc ils ont interdit à une enquête internationale demandée par l'Australie. Non, mais attendez, très bien vu. Si vous êtes Xi Jinping. Mais non, écoutez, bon. Attendez, réfléchissez deux minutes. Si vous étiez Xi Jinping et que vous vouliez faire une attaque biologique, ce qui est concevable, vous auriez fabriqué ce virus. Vous le mettrez dans une mallette et vous le transportez aux États-Unis et vous le lâchez aux États-Unis et pas en Chine. Vous voyez. Est-ce que vous avez suivi et je rappelle aux auditeurs de Radio Athéna le drame qu'a été le confinement délirant imposé par Xi Jinping. Nous avons eu un confinement délirant en France, mais le confinement chinois, c'était quelque chose d'absolument incroyable, hein, incroyable, délirant, qui a duré plus de 2 ans et qui s'est terminé d'ailleurs brutalement. Je me suis d'ailleurs demandé si Xi Jinping n'avait pas été mis en minorité au comité central, parce que d'un seul coup, alors qu'il avait toujours défendu une politique de zéro Covid, d'un seul coup, le parti a abandonné cette politique. Il a perdu la face, ce qui pour un Chinois est très embêtant. Bon. Oui, mais c'est parce que c'était un prétexte. C'est pas un prétexte, c'est une réalité. Bien sûr. Oh là là. Non, le confinement est une mesure dictatoriale et anti-scientifique qui a été imposée aux Chinois parce que là-bas c'est la dictature et qui a ensuite été exportée chez nous, d'abord en Italie, puisqu'ils font partie des nouvelles routes de la soie. D'accord, c'est eux les premiers en Occident qui ont dit il faut confiner. Et c'est d'ailleurs là-dessus que s'est appuyé Delfrécy. Il a dit nous confinons, mais comme l'Italie, pas comme la Chine. La Chine, c'est dictateur. Donc, c'est une stratégie. En France, on a confiné aussi pour ça, parce que notre oligarchie est aux mains de la Chine. Alors, c'est ça aussi que je... Mais non, vous ne savez pas... Pourquoi... Attends, je vais vous expliquer. Pourquoi a-t-on confiné en France? C'est parce que... Alors, je crois que c'était le 12 mars, non, me semble-t-il, le 12 mars 2020. Le 2 mars 2020, Macron est allé, je crois que c'était un mardi, un mercredi soir, ou le 13 mars. Il est allé sur la place du Trocadéro présider une cérémonie en hommage aux victimes du terrorisme. Et Macron a dit, quasiment texto, on ne nous empêchera pas de profiter de la terrasse de nos cafés. Ce qui est a posteriori est assez comique. Le lendemain, il recevait à 11h30 du matin, c'est Le Monde a raconté ça en détail, son comité scientifique qu'il avait bricolé, avec Delfrécy à la tête, cet imposteur de Delfrécy, et surtout Simon Cauchemet. Simon Cauchemet est l'épidémiologue de l'Institut Pasteur, et c'est le disciple de Neil Ferguson. Neil Ferguson considéré comme le pape de l'épidémiologie, des modèles mathématiques de l'épidémiologie, qui est en fait un charlatan incroyable, qui annonçait 200 millions de morts pour la grippe aviaire, alors qu'il en a eu 125. Quelques jours avant, Neil Ferguson est allé en France et il a dit, écoutez, si vous ne confinez pas, vous aurez 500 000 morts. Je parle de la première épidémie, hein. Il y a eu à tout casser 20 000 morts et on a confiné. Mais il est allé aussi en Suède, il a dit si vous ne confinez pas, vous aurez 100 000 morts. La Suède n'a pas confiné, ils ont eu 6 000 morts officiellement. Bon. Donc voilà ce qui s'est passé. La Chine n'y est absolument pour rien. C'est le délire des modèles mathématiques. Ce sont les modèles mathématiques des épidémiologies qui sont comme les modèles mathématiques. Si le problème, c'est en l'occurrence, c'est un problème épistémologique, cher monsieur.
C'est-à-dire le fait que les modèles mathématiques ne fonctionnent pas et donnent des prévisions que l'on croit naïvement, parce qu'on est impressionné par la complexité du modèle, qui est en fait infiniment petite par rapport à la complexité des phénomènes réels. Et donc, les modèles mathématiques du climat ne fonctionnent pas, les modèles mathématiques de l'économie ne fonctionnent pas, les modèles mathématiques des épidémies ne fonctionnent pas. Bon. Et voilà l'origine du confinement. C'est Neil Ferguson. Voilà, le coupable n'est pas Xi Jinping, c'est Neil Ferguson. Ah bon. Donc, vous êtes applaudi par Xi Jinping en ce moment même, s'il nous écoute. Donc, je pense que cela vient de notre formation respective, où vous avez été formé à l'ENA, et bon, peut-être bon, non, ça suffit. Ne parlez pas toujours des personnes. C'est pas une attaque personnelle. Mais non, mais c'est pas le sujet. Ce n'est pas le sujet. Le sujet n'est pas ça. Excusez-moi, je m'exprime librement. Non, vous êtes pour la liberté d'expression, je crois. Alors, permettez-moi de m'exprimer. Pas du tout. La liberté d'expression, ça veut dire que vous avez le droit de créer le concurrent de Radio Athéna. Ça veut pas dire que vous pouvez dire n'importe quoi sur Radio Athéna. Non, c'est pas vrai. Je ne dis pas n'importe quoi. Vous avez bien fait l'ENA, monsieur de Lesquin. Donc, ce n'est pas n'importe quoi. J'ai fait Polytechnique, j'ai fait l'ENA, mais c'est pas le sujet. Voilà. Mais si j'estime que c'est le sujet, alors. Mais permettez-moi de faire ma démonstration. Moi, j'ai fait l'école de guerre économique. Mais ne parlez pas de vous. Parlez du sujet et pas de vous, Jean-Robin. Le sujet, c'est la Chine, ça n'est pas Jean-Robin. C'est incroyable. Vos invités, généralement, vous ne les coupez pas aussi souvent. Bon, je vous dis que le sujet n'est pas Jean-Robin, mais la Chine. Est-ce que vous êtes d'accord là-dessus? Tout à fait. Vous ramenez tout à vous. C'est pas, le sujet n'est pas Jean-Robin. Je fais ce que je veux. Non, vous ne faites pas ce que je veux. Je parle de la Chine. Je suis diplômé de l'école de guerre économique. Mais on s'en moque. On veut parler de la Chine. C'est très important. Non, parce que vous avez une lecture. Ça n'a aucune importance. Politique, épistémologique. Moi, j'ai une lecture de cartographie, de rapport de puissance. Donc, ce que vous n'avez pas creusé, apparemment, puisque vous dites que ça n'a rien à voir avec Xi Jinping. C'est que le Neil Ferguson en question, il travaille à l'Imperial College et que l'Imperial College a été financé par Xi Jinping en personne, qui est venu, il ne l'a jamais fait par ailleurs, il est venu en personne en 2015, l'année où le Daily Mail dit qu'ils avaient prévu de faire une attaque au coronavirus pour déclencher une troisième guerre mondiale, je répète. Xi Jinping est venu à l'Imperial College en 2015, qu'il finance personnellement, je veux dire au nom du Parti communiste chinois. Et donc, quelques années plus tard, nous avons le même Imperial College qui nous sort cette étude qui pousse le confinement. Donc, si vous ne voyez pas le lien, je vous parle Mais Neil Ferguson n'a pas attendu le Covid ou le virus chinois. Il a toujours fait ça. C'est à cause de lui qu'on a eu le délire sur la vache folle, par exemple. La vache folle n'a jamais tué personne. Et à cause de lui, non seulement on nous a privés de tripes à la mode de Caen, ce qui était vraiment très triste, mais également, on a massacré des centaines de milliers de pauvres bêtes qui étaient parfaitement innocentes. Bon, donc, non, il était coutumier du fait. Hein, il n'a pas commencé avec le virus chinois. Voilà, il y a d'autres enquêtes qui démontrent le lien de la Chine communiste avec le fait qu'ils aient poussé... Bon, parlons maintenant d'autres sujets. Ouais, TikTok, oui. Mais je rappellerai juste que le Die Welt, en Allemagne, l'équivalent du Monde en France, a démontré qu'il y avait eu des pressions d'une université chinoise sur l'équivalent du CDC donc, allemand pour qu'il pousse au confinement, là aussi. Et en France, comme il n'y a pas d'enquête, évidemment... mais Delfrécy, je précise quand même, il fait partie de l'Institut Mérieux, comme le professeur Raoult d'ailleurs, et l'Institut Mérieux est lié directement à la Chine communiste via le P4. Donc là, que la Chine soit néfaste, nous sommes bien d'accord. Mais la question, je rappelle aux auditeurs que la question, c'est la Chine est-elle la menace principale pour la France? Alors, moi, j'aimerais que nous parlions des autres menaces, parce que bon, la Chine est une menace. Pour le Covid, c'est pas vraiment une menace. C'est pas parce qu'elle a un laboratoire P4 qui est mal géré que c'est une menace en soi. C'est une menace pour le monde à ce moment-là, pas pour la France spécialement. Et ensuite, TikTok, ça c'est une menace, c'est vrai, c'est une menace de filtration. Et il y a une menace économique aussi, dans la mesure où la concurrence de la Chine est déloyale. Ça, je pense que c'est curieux que vous n'en parliez pas d'ailleurs. Que pouvez-vous nous dire de la menace économique. Alors allez-y, je vous écoute. Menace économique de la Chine. Donc, ce que vous minimisez, c'est que la Chine a fait une captation d'élite en Occident et notamment en France. Ce qui fait que le modèle qui est imposé, notamment depuis 3 ans en France, c'est le modèle chinois et notamment le modèle économique. C'est-à-dire que la Chine peut venir acheter tout un tas d'entreprises françaises, y compris des vignobles dans le Bordelais, etc. Mais nous n'avons pas le droit ni d'acheter ces entreprises, c'est interdit, il n'y a pas de réciprocité, ni de créer des entreprises là-bas sans passer par ce qu'on appelle une joint venture, donc comme c'est de l'anglais, une co-entreprise. D'accord ? Donc vous avez des agents du Parti communiste chinois qui sont nécessairement au conseil d'administration de ces co-entreprises et qui donc ont accès à tous nos secrets. Donc ça, c'est une grande menace, parce qu'ils ont volé aussi beaucoup de secrets technologiques, à moins qu'on les leur ait donné
directement. Ça, c'est encore autre chose, comme EDF, par exemple, dont Proglio s'est vanté d'avoir transmis tout un tas de secrets nucléaires sans contrepartie. Voilà, c'est ce qu'il a dit en 2013. Et donc, tout ça, c'est ce que j'appelle, moi, l'international communiste, dont EDF fait partie, parce qu'il est géré, en France, on le sait, par les francs-maçons et les communistes. Donc, il ne faut pas nier cela. Maintenant, la menace, elle va plus loin, mais quand vous avez une captation d'élite, il y a des clubs d'influence en Chine, en France, pardon, de la Chine, qui ont été mis en place souvent par Jean-Pierre Raffarin, dont font partie, excusez du peu, Macron, Elisabeth Borne, donc dans le Paris Shanghai Club que j'ai révélé, Thierry Breton, qui met en place le pass sanitaire au niveau européen, et bien d'autres choses, qui veut interdire Twitter, qui veut interdire tout un tas de choses. Donc, ces clubs d'influence, vous avez le comité France-Chine, qui regroupe les trois quarts du CAC 40, avec notamment les cinq premières fortunes françaises qui sont dans le luxe, donc du fait de la Chine. Le plus connu, c'est Bernard Arnault, mais il y a aussi Pinault, Hermès, etc., L'Oréal. Donc, tous ces gens-là se sont massivement enrichis avec la Chine et ont dû faire des concessions pour cela. Et c'était des concessions politiques à chaque fois. C'est-à-dire de transmettre soit directement des secrets technologiques, comme Airbus, par exemple, ou la SNCF, ou, bon, vous avez tellement d'exemples, je citais EDF tout à l'heure, ou le P4. Donc la France a donné tout son savoir-faire, et en retour, on a eu des concurrents. Par exemple, au niveau nucléaire, aujourd'hui, la Chine est un concurrent direct d'EDF. Alors ça, c'est très juste. C'est-à-dire que la politique qui consiste à exporter à tout prix, en exportant en même temps son savoir-faire, est une politique à courte vue. Parce que ça veut dire qu'on se donne des concurrents. Et ça, malheureusement, les entreprises françaises, notamment l'EDF, l'ont fait abondamment. C'est une grave erreur. Alors maintenant, je voudrais poser une question de Stéphane Michel. Bonsoir, que pensez-vous ? Que pensez-vous de l'action de la Chine en Afrique ? Quelle est sa position vis-à-vis des troupes de Wagner ? Alors, avez-vous une opinion sur le sujet, Jean-Robin ? Alors, j'ai pas une opinion, j'ai des faits, c'est-à-dire que c'est sorti récemment que la Chine s'affiche avec Wagner dorénavant. Ça date de la semaine dernière. Donc, ils n'ont plus aucune limite à ce niveau-là, c'est-à-dire que l'alliance stratégique entre la Chine et la Russie date de 1949 et de Mao, qui a été mise au pouvoir par Staline, quasiment. Tous les services secrets chinois ont été formés à Moscou. Beaucoup des membres fondateurs du Parti communiste chinois ont été formés à Moscou. Et donc, Mao a dupliqué l'URSS en Chine. Mais depuis, ils ont fait croire qu'ils étaient en bisbille, justement pour mieux agir avec et manipuler l'Occident. Mais non, arrêtez-vous, ne dites pas d'énormité, ils n'ont pas fait croire. Il y a eu vraiment une scission grave du mouvement communiste. Les Chinois de Mao ont accusé l'URSS de révisionnisme. C'est-à-dire de remise en cause des principes du marxisme, et donc il y a eu vraiment une opposition très forte qui a duré des années entre la Chine et l'URSS. C'est un fait, vous pouvez tout nier, mais pas ça, hein, je vous en prie. Ah, c'est pas que je nie, c'est que je tiens compte des révélations d'Anatoli Golitsyn. Ah, mais arrêtez-vous avec Golitsyn, écoutez, et puis moi je tiens compte des relations. Mais Nostradamus a dit une chose très intéressante aussi, hein. Voilà, non, mais tout est. Chacun a ses références, moi c'est Nostradamus. Voilà. Mais non, attendez, le fait est que De Gaulle. Est allé, il n'est pas allé d'ailleurs, il a reconnu en 1964 la Chine communiste, c'est un des premiers chefs d'État à le faire, et depuis, tous nos chefs d'État et de gouvernement sont dans sa roue à se soumettre à la Chine, le dernier en date étant Macron, qui y est allé encore récemment, coucher littéralement. Écoutez, soyons sérieux, il est vrai que Macron est soumis, mais il est soumis bien davantage aux États-Unis d'Amérique, aux Yankees, qu'à la Chine. Aujourd'hui, la menace principale, une menace plus importante pour la France que la Chine, c'est l'Amérique. Ce sont les USA, comme on dit. USA. Voilà, ça oui. Et je pense qu'il faut vraiment avoir une vision tronquée pour ne pas voir que la puissance des agents d'influence chinois, américains, pardon, est 100 fois ou enfin, au moins 10 fois supérieure à celle des agents d'influence, des agents d'influence chinois ou russes. Il y a bien une action d'influence, de subversion, tout ce que vous voulez, qui vient de la Russie ou qui vient de la Chine, mais celle des États-Unis d'Amérique est tellement énorme, est tellement gigantesque, qu'on ne peut pas la nier. Elle est tellement énorme qu'on ne la voit pas. Vous voyez, hein. Et la meilleure preuve, c'est qu'elle nous entraîne dans la guerre contre la Russie, quasiment. Hein. À soutenir l'Ukraine à corps et à cri, et plutôt à tout craint.
alors que cette guerre ne nous concernait pas. Donc la menace principale, ce n'est pas encore les Yankees. Pour moi, c'est la superclasse mondiale. Mais en tout cas, une menace bien supérieure à la menace chinoise, c'est la menace Yankee. Lorsque la BNP a dû payer 7 milliards de mémoire, je crois que c'est 7 milliards de dollars d'amende, parce qu'elle avait, financé en dollars des opérations commerciales avec le Soudan, avec Cuba, avec l'Iran, en violation de l'embargo américain, ce sont des pratiques d'extraterritorialité complètement impérialistes et insupportables. Voilà la menace que nous subissons. Y compris d'ailleurs la menace. Si vous voulez, c'est à cause de cette mentalité, de cet impérialisme américain et de l'idéologie cosmopolite d'ailleurs, que nous avons l'immigration. La Chine n'est pour rien dans les immigrations, dans les émeutes raciales et ethniques qui viennent d'avoir lieu pendant plusieurs jours dans les villes françaises. Hein. La Chine n'y est pour rien. En revanche, les États-Unis sont pour quelque chose. Ah bon ? Ils sont pour quoi ? Ils sont pour quoi ? Ils sont parce qu'ils imposent. Ils imposent l'idéologie, enfin, ils concourent à imposer l'idéologie antiraciste qui est à l'origine, et la religion de la Shoah, qui sont à l'origine de cette immigration et donc des violences interethniques. Non, alors, le principal responsable de l'immigration massive depuis 60 ans, au moins, c'est le Parti communiste français, en France. J'aime bien qu'on dise n'importe quoi, mais là vous passez les bornes. J'aurais pu sortir la déclaration de marché. De marché qui s'en prend à l'immigration, qui date de 1981, je crois. Il est clair que sur l'immigration, ça n'a rien à voir avec le communisme. Les communistes n'étaient pas immigrationnistes. Pas du tout. Ils sont devenus cosmopolites. Donc c'est absolument faux. Parce qu'on en est à des déclarations. Des analyses. Moi. Connaissez-vous la déclaration de Charles Pasqua qui disait que les promesses en politique n'engagent que ceux qui y croient ? C'était pas une promesse, c'est une déclaration politique. C'était pas du tout une promesse. Hein. Non, les déclarations de marché n'étaient pas du tout. Donc il est faux de dire que le Parti communiste est pour quelque chose dans l'immigration en France. C'est faux. Voilà. C'est incroyable. Mais merci de l'avoir dit C'est le patronat français qui a poussé à l'immigration sous Pompidou. Le patronat. Parce qu'il voulait casser les syndicats, et donc Georges Pompidou, qui était un homme de la banque Rothschild du patronat, il a fait rentrer à fond les immigrés. Voilà. Le Parti communiste, non, vraiment, le Parti communiste est pour rien dans l'afflux. D'autant plus que maintenant, il a très peu de pouvoir, le Parti communiste. Oui, vous pouvez me dire Mélenchon. Oui, Mélenchon, d'accord. Oui, mais pas le PC. Mais vous ne trouvez pas ça bizarre, monsieur de Lesquin, que quand on compare les deux cartes de France, la carte des mairies communistes et la carte de l'islam en France, ça se superpose quasi exactement. Bah écoutez, vous plaisantez. Attendez, c'est pas les communistes qu'on fait. C'est une question de niveau de vie. Voilà. Bon. Donc, moi j'aimerais. Ce sont les ouvriers à l'origine qui étaient communistes. Bon, il y a moins d'ouvriers, mais les ouvriers, les employés. Et donc, les villes communistes ont fait beaucoup de HLM, etc. Bon, et pendant longtemps, ça a fait venir évidemment les immigrés, mais ça n'a pas de rapport avec l'idéologie communiste. L'idéologie communiste est internationaliste, ça ne l'est pas cosmopolite. Donc, par ailleurs, moi je veux bien pleurer des larmes de crocodile sur la BNP, mais honnêtement, je m'en fiche éperdument de la BNP. Si elle perd des milliards parce qu'elle ne sait pas gérer l'extraterritorialité des États-Unis, c'est son problème, c'est pas le problème de la France. La France, vous justifiez les pratiques américaines d'extraterritorialité. Vous trouvez ça bien ? Ah non, je ne les justifie pas. Je dis juste que la BNP doit prendre ses responsabilités. Non, attendez. Je vous donne l'exemple d'une entreprise française qui a été victime de l'impérialisme américain, qui est un exemple parmi beaucoup d'autres. Mais non, c'est la classe mondiale, comme vous dites. BNP, c'est pas la classe mondiale. En l'occurrence, une entreprise. Non, mais vous faites. Non. Une entreprise française. Défendez la classe mondiale. C'est assez cocasse. Donc, qu'est-ce que vous racontez ? Je vous dis que une entreprise française a été rançonnée par le Trésor américain à cause de ses principes d'extraterritorialité. C'est insupportable. Qu'est-ce qui permettait aux États-Unis d'intervenir pour empêcher la construction du gazoduc Nord Stream 2 ou Nord Stream 1. Bon, c'est quand même extraordinaire. C'était un accord entre la Russie et l'Allemagne, qui sont deux pays théoriquement souverains, en tout cas pour l'Allemagne.
Et on ne voit pas pourquoi les États-Unis se sont prétendus interdire cette construction. On a vraiment. Donc l'impérialisme américain est un vrai sujet, beaucoup plus important que l'impérialisme chinois. C'est l'extraterritorialité, là, je suis d'accord. C'est les rapports de force entre nations. Mais là, on parle. Non, c'est l'intervention, l'ingérence dans les affaires intérieures des autres pays. C'est ça, les États-Unis d'Amérique. Ouais. Donc vous trouvez qu'il n'y a pas d'ingérence de la Chine supérieure à celle des États-Unis? Vous rigolez, c'est un rapport de 1 à 10 ou de 1 à 100. L'Amérique fait obéir les pays d'Europe occidentale comme des lapins, comme des. Nous obéissons, nous sommes des sujets assujettis à l'impérialisme américain. Voilà le vrai sujet. C'est une menace bien plus grave que la menace chinoise. La menace chinoise existe, elle est insupportable, il faut interdire TikTok, il faut établir des relations commerciales équilibrées, c'est-à-dire tout à fait différentes de celles que nous avons actuellement avec la Chine, nous sommes bien d'accord. Bon, voilà, ça je pense que vous ne direz pas le contraire. Mais pour autant, la menace principale n'est pas là. La menace principale, c'est d'abord la superclasse mondiale, la superstructure mondiale, mais ensuite, en second lieu, les États-Unis d'Amérique. Ça, c'est bien plus grave. Est-ce qu'on peut en parler de cette superclasse mondiale? Parce que j'ai un certain nombre d'éléments là aussi. Allez-y. Parlons par exemple de Davos, qui vient d'avoir lieu en Chine, comme chaque année depuis 2007. Ah non, Davos n'a pas lieu en Chine, Davos a lieu à Davos. Vous voyez, monsieur Delesquin, il faut monter en compétence. Donc, Davos. Écoutez, arrêtez vos âneries. Hein. Moi, je ne vous dis pas que vous êtes incompétent, pourtant vous l'êtes. Hein. Alors, évitez de dire ce genre de choses. Hein. Je vous dis que le forum de Davos a lieu à Davos et pas ailleurs. Sinon, ce n'est plus le forum de Davos. Voilà. Alors qu'il y ait des réunions, qui aient lieu partout dans le monde, je veux bien, mais le vrai forum de Davos, il est à Davos. Davos a lieu en Suisse tous les janvier et en Chine tous les mois de juin. Je viens de faire une vidéo entière sur le sujet, vous ne pouvez pas dire le contraire. Donc, vous n'avez pas à creuser la question. Moi, si. C'est ça, la différence. Oh, écoutez, arrêtez de parler de vous. On va parler du sujet. Mais c'est un fait, monsieur Delesquin. Vous me dites, Davos n'a pas lieu en Chine chaque année depuis 2007. Le forum de Davos, qu'il y ait des répliques ailleurs dans le monde, c'est possible. Non, mais le forum de Davos a lieu à Davos, en Suisse. Klaus Schwab s'est exprimé comme chaque année, et c'était en Chine. Donc, il a accueilli le premier ministre chinois, qui est un nouveau. D'accord ? Il lui a, évidemment, tiré le tapis rouge, là, sous les pieds. Donc, Klaus Schwab, qui est-il ? En 2022, le 23... Un agent de la superclasse mondiale. Il a expliqué que la Chine est un modèle pour de nombreux pays, ce qu'il n'a jamais fait à propos des États-Unis. Sa grande mise à zéro, si on ne veut pas utiliser l'expression de Great Reset, elle est inspirée par le Parti communiste chinois. Elle veut dire la mise en place à nouveau de quelque chose. C'est du passé faisant table rase, si vous voulez. Il est titulaire de la médaille de l'amitié du Parti communiste chinois, comme Jean-Pierre Raffarin, comme Alain Mérieux, d'accord ? Qui ont transmis à tous les deux le P4 contre l'avis des Américains. Donc là, il faudrait nous dire en quoi la France est soumise aux États-Unis, puisqu'on peut transmettre le P4 tranquillement pendant 15 ans, on peut ne pas faire la guerre d'Irak. Alors, ça ne marche pas, votre histoire. Donc, pour revenir à... je vais tout de suite. La guerre d'Irak, effectivement, Chirac avait, c'est une des dernières velléités d'indépendance française, il s'était opposé à la guerre d'Irak, il avait bien raison. C'est un des rares points, un des rares bons points qu'on puisse donner à Chirac. Mais depuis Sarkozy, c'est l'alignement complet. La France est complètement rentrée dans l'OTAN, et la France est complètement soumise aux Américains. Ça atteint, alors avec de vagues phrases pour faire croire qu'elle est indépendante, mais ça n'a aucun sens. Nous sommes les caniches des Américains, et ça c'est insupportable. Un nationaliste français, un patriote français, un amoureux de la France ne peut pas supporter, ne peut pas accepter cette situation où la France est soumise aux États-Unis. Est-ce que, Pierre de Tirmont, est-ce que nous avons des questions? Oui, il y avait des auditeurs qui se demandaient en quoi la Chine était vraiment marxiste ou communiste, ils ne comprenaient pas, et la pensée plutôt libérale et nationaliste. Alors ça, nous pourrons intervenir, je pense que nous serons entièrement d'accord. Jean, je vous laisse répondre peut-être, Dave. Oui, donc Xi Jinping, ses principales références, c'est Marx, Lénine, Mao et Staline, et parfois Hitler. Mais ça, c'est un peu moins connu, il y a des journalistes comme Bill Gertz qui l'ont révélé, il avait même une statue de Hitler chez lui. Ça me paraît totalement bidon, mais bon, franchement, vous en rajoutez dans la propagande américaine. Je cite un journaliste. Mais vous citez un journaliste, n'importe quoi. Il est évident que c'est une invention, bon, voilà. Une affabulation d'un agent de la CIA, bon, voilà. Ah voilà, c'est comme ça, c'est facile. Donc, la Chine donc, a un parti unique, qui est le Parti communiste chinois, 100 millions de membres, c'est-à-dire par rapport à 1,4 milliard de... Donc c'est une politique absolument totalitaire, ils ont des millions de gens dans des camps au moment où on parle, et donc ils cherchent à reproduire leur modèle un peu partout dans le monde, comme l'internationalisme le souhaite. Ils veulent un gouvernement mondial en poussant
la théorie fausse, comme vous l'avez très bien relevé, du réchauffement climatique. Ça, c'est la Chine qui est à la manœuvre, alors que, notamment, la Russie aussi, puisque à Davos, en 2021, M. Poutine, qui appelle Klaus Schwab « cher Klaus », a dit qu'il fallait lutter contre le réchauffement climatique. Et d'ailleurs, Gorbatchev, dont vous parliez tout à l'heure, dès qu'il a quitté la tête de l'URSS, il a fondé, en 1992, « the Green Cross », ce qui signifie « la croix verte », et qui est en fait une institution pour lutter contre le réchauffement climatique. Donc les communistes sont à la manœuvre pour détruire le capitalisme occidental, et la fausse théorie du réchauffement climatique le permet en effet. Alors écoutez, non, vous n'avez pas vraiment répondu à la question. La question c'était, est-ce que vraiment la Chine est marxiste? Écoutez, Alice Ekman en a fait une démonstration, je l'ai dit plus ou moins tout à l'heure, rapidement, mais quand on se reporte aux discussions internes du Parti communiste, lorsqu'elles transpirent, on s'aperçoit que vraiment, on a affaire à des gens, chez Xi Jinping en particulier, qui ont vraiment des convictions communistes. Et justement, la reprise en main du Parti communiste au nom de la corruption, sous le prétexte de la corruption qui a été effectuée par Xi Jinping, a permis d'éliminer ceux qui n'étaient pas vraiment marxistes. Donc il faut démontrer sa foi marxiste, ses convictions marxistes, pour avancer au sein du Parti communiste chinois. Donc c'est vraiment... C'est vraiment une religion séculière, une religion diabolique, et ils sont vraiment marxistes, c'est un fait. Alors il faut lire toutes les déclarations, toutes les analyses qui sont indubitables d'Alice Ekman. Hein, ils sont rouge-vif, le livre s'appelle Rouge-vif, Alice Ekman, E-K-M-A-N, et il ne fait aucun doute, quand on se penche sur leurs déclarations, même les plus secrètes lorsqu'elles transpirent, on voit bien qu'ils sont vraiment, vraiment marxistes, ils ont la foi marxiste, voilà. Et je le répète, ils ont constitué cette foi marxiste avec la libéralisation économique relative en affirmant que c'était comme la NEP de Lénine, c'est-à-dire une parenthèse qui se finirait par la centralisation complète, le Gosplan complet. Et aujourd'hui d'ailleurs, ce sont les réformes récentes de Xi Jinping, le Parti communiste maintenant a mis des cellules partout, dans toutes les entreprises, y compris les entreprises étrangères qui sont en Chine, partout. Donc le Parti communiste a l'œil de l'intérieur dans toutes les entreprises. Vous voyez ? On pourrait rajouter, puisqu'en effet je n'avais pas complètement répondu à la question, que en Chine il n'y a pas de réel droit de propriété. Ce qui est quand même ce qui définit le marxisme, puisque Marx lui-même disait, si on pouvait résumer en une phrase ma pensée, c'est abolition du droit de propriété. Or en Chine, vous n'êtes jamais propriétaire de votre appartement, par exemple. Vous le louez pendant 99 ans au gouvernement. Et le gouvernement décide ou non de renouveler le bail. Donc les Chinois sont toujours dépendants de ce super État qui les surplombe et qui peut les dépouiller s'ils ne sont pas... Alors il y a le crédit social aussi, dont on pourrait parler, qui est une mesure éminemment communiste, qui s'appuie sur des technologies modernes et occidentales, mais qui en font vraiment une prison à ciel ouvert. D'ailleurs, il y a le goulag numérique, si on peut dire, la grande muraille numérique, comme ils l'appellent, c'est-à-dire que les Chinois n'ont pas le droit d'aller au-delà des médias chinois sur Internet. Ils sont obligés d'en rester à la propagande du Parti communiste chinois, que ce soit sur les médias traditionnels, mais aussi sur Internet. Tout à fait. Alors, les techniques modernes permettent d'ailleurs d'aller beaucoup plus loin dans le sens du collectivisme, c'est-à-dire que les individus en Chine sont complètement espionnés. Pour se déplacer, il faut produire son code-barre personnel, et donc le parti ou l'État qui n'est qu'une dépendance du parti, peut contrôler en permanence tous vos mouvements. Partout. Il faudrait quand même ajouter également, pour rappeler l'horreur du Parti communiste chinois et de la Chine, la persécution des minorités, les Ouïghours et les Tibétains. Alors les Tibétains, ça fait longtemps qu'ils ont été écrasés, et les Ouïghours, ça se passe actuellement de manière absolument incroyable. Alors les Ouïghours sont une population turque qui occupe le Xinjiang. Alors j'ai parfois dit, mais c'était du mauvais esprit, que d'une certaine manière, les Chinois, les Han, vengeaient nos cousins indo-européens, les Tokariens, parce que jusqu'au IXe siècle de notre ère, de l'ère chrétienne, le Xinjiang, qui est la province orientale de la Chine actuelle, était le pays des Tokariens, qui étaient des Indo-Européens, qui avaient été convertis au bouddhisme et qui avaient une civilisation florissante, très très développée, qui a été génocidée ou populicidée par les Turcs Ouïghours, qui ont appliqué le principe... la pratique plutôt des Turcs dans leur expansion vers l'Ouest,
on tue les hommes et on prend les femmes et les enfants. Si bien que les Ouïghours sont un mélange de sang mongoloïde et de sang caucasoïde. Voilà. Et donc, d'une certaine manière, ce que fait les abominations des Chinois actuellement à l'égard des Ouïghours sont une vengeance tardive de ce qui s'est passé d'horrible au IXe siècle lorsque les Ouïghours ont conquis l'actuel Xinjiang sur les Tocariens, les exterminant. Il faut voir ce qui se passe, c'est-à-dire que non seulement on met les gens dans les camps de concentration, on les tue, mais dans les familles Ouïghours, on est obligé d'inviter ce qu'on appelle le cousin chinois. Alors c'est un Han qui vient s'installer chez vous, dans la famille, avec la femme et les enfants, et qui vérifie que les parents ne donnent pas des mauvaises idées, n'inculquent pas des mauvaises valeurs, qui ne seraient pas chinoises et qui ne seraient pas marxistes, aux enfants. Vous vous rendez compte, imaginez ce degré de collectivisation. On envoie chez vous un policier, enfin un agent de la police, qui vérifie que chez vous, dans votre domicile, vous ne dites pas autre chose que ce que vous avez le droit de dire. C'est incroyable. Vous connaissez le modèle qui a été pris ouvertement, il a été déclaré. C'est les dragonnades sous Louis XIV pour convertir les protestants de force, avec les dragons qui venaient dans les familles pour savoir si on tenait des propos protestants ou non, et pour forcer, sous la contrainte évidemment, à la conversion. Mais bon, c'est une parenthèse. Donc j'ajoute sur le caractère... Les dragonnades n'avaient quand même pas le degré d'horreur de ça. Il ne faut pas exagérer. Renseignez-vous sur la question. Je me suis renseigné sur la question. Je peux même vous dire que le premier livre que j'ai lu, puisque vous voulez que je parle de moi absolument, c'est Les Camisards, qui raconte la guerre des Camisards. Donc je rappelle, c'est sous l'angle catholique. C'était sous le point de vue catholique. Sous l'angle protestant. Et c'était donc le premier livre que j'ai lu, c'était très anti-calviniste, puisque c'est raconté l'histoire de la guerre des Camisards vue du point de vue catholique. Et je me rappelle que les cavaliers de Louis XIV fonçaient sur les Camisards, je crois que c'était Jean Cavalier, le chef des Camisards, en criant tutu mort huguenot, tutu mort huguenot. Voilà. C'était un programme. Cool. Vous n'êtes pas ici, mais cool, c'est un mot anglais. Vous devriez mettre moralement une pièce. Faites un don à Radio Athéna de 5 euros, puisque vous avez dit cool, ce qui est interdit. Voilà. Donc c'est sympa. Voilà. Sympathique. Donc pour revenir sur le caractère marxiste de la Chine, il faut savoir qu'en 2018, ils ont commémoré le bicentenaire de la naissance de Marx en grande pompe, et qu'ils ont offert à cette occasion une statue de 5 mètres de hauteur de Marx à l'Europe, à l'Union européenne plus précisément, et Jean-Claude Juncker, qui était le président de la Commission européenne de l'époque, est allé à Trèves, ville native de Marx, pour participer à l'inauguration de ce... Donc ce qui montre que l'Union européenne est clairement du côté sino-russe, là aussi. Pierre de Tirmont, n'y a-t-il pas une question d'un auditeur, justement, sur les grands promoteurs de la subversion de l'Occident? Alors, je crois que Maxence de Tourelle a posé une question en ce sens... vraiment ça, c'est Karl Marx et les principaux révolutionnaires marxistes, Bronstein, Trotsky, Ganovitch, Kuhn, Eisner, Luxembourg, étaient juifs. Qu'en dites-vous? Oui, c'est bien connu. Oui. Qu'en dites-vous, Jean-Robin? Alors, j'en dis que les juifs, c'est un peu comme les kabyles. Ce sont des peuples qu'on retrouve systématiquement dans les extrêmes. Ça peut être des gens extrêmement maléfiques et des gens extrêmement bons. Donc, vous retrouvez effectivement, par exemple, des kabyles dans les gens qui ont commis les atrocités de la guerre civile. Qui a eu lieu là, dans les années 90. Et puis vous avez des Kabyles comme ma femme ou d'autres de ce peuple très courageux qui a lutté contre l'invasion des arabo-musulmans pendant des siècles et avec beaucoup de courage. Donc les juifs, c'est pareil. Vous avez des juifs qui sont prix Nobel, qui sont grands maîtres aux échecs, qui sont tout ce qu'on peut imaginer de bon. Et vous avez des juifs qui sont parmi les fondateurs du communisme. Donc... C'est un fait parce que, alors est-ce que ça vient du QI moyen supérieur des Ashkénazes qui est reconnu, ou est-ce que ça vient d'autre chose? Je n'en sais rien, mais c'est un fait. Alors, une remarque au passage. Le QI supérieur des Ashkénazes est un mythe. Effectivement, lorsqu'on lit les statistiques officielles aux États-Unis, on voit que les Juifs Ashkénazes ont un QI supérieur de 10 points ou 15 points à la moyenne américaine. Mais en réalité, quand on regarde les statistiques de QI en Israël, on voit que en Israël, les Ashkénazes ont un QI de 103, et les Séfarades de 93, et que la moyenne des Juifs, donc en Israël, a un QI de 97, inférieur à celui des Français de 100. Alors là, pourquoi est-ce qu'on a un résultat différent en France ou aux États-Unis? Pour une raison bien simple, c'est qu'en Israël,
la qualité de juif est définie juridiquement. Sur sa carte d'identité, il est écrit qu'on est juif. Et même qu'on est ashkenaz ou séfarade, je crois. En tout cas, qu'on est juif. Donc. Alors qu'aux États-Unis, on ne sait pas qui est juif, qui n'est pas juif. Donc les statistiques sur le QI des ashkenazes qui ont été faites par des ashkenazes, on considérait qu'on était ashkenaz quand on était professeur de médecine, mais qu'on n'était pas quand on était balayeur. Quoi. En gros, c'est ce que je caricature, mais c'est l'explication. Autrement dit, l'échantillon est non représentatif, parce que sinon, il n'y a aucune raison de penser que les ashkenazes des États-Unis soient plus intelligents que les ashkenazes d'Israël. Je ne vois vraiment pas la moindre raison de le penser. Donc c'est un mythe. Si, d'une part, il peut y avoir des raisons culturelles. C'est un mythe. Israël est au milieu de pays arabo-musulmans dont le QI est largement inférieur. Et d'autre part, je renvoie aux travaux de Richard Lin, qui n'est pas un juif ashkénaz et qui a bien étudié toutes ces questions de manière exhaustive, je dirais. Et donc, il déclare, basé sur des données très précises, que le QI moyen des ashkénazes est le plus élevé au monde. Je vous ai déjà répondu, oui, c'est le mythe qui est cru, parce que... C'est pas un mythe. C'est un mythe, parce que l'échantillonnage, sinon, encore une fois, on n'aurait pas ce QI de 103 seulement en Israël. Bon, alors, l'autre sujet, c'est la question qui a été posée par un auditeur, dont j'ai oublié le nom, c'est... les trois plus grands promoteurs de la subversion de l'Occident ont été Baruch Spinoza, Karl Marx et Sigmund Freud. Alors on peut dire que Karl Marx évidemment est le promoteur, l'auteur, l'aspirateur de la révolution communiste 1917. On sait moins que Baruch Spinoza est l'inspirateur de la révolution jacobine de 1789, et que Sigmund Freud est, avec la psychanalyse, cette superstition, cette charlatanerie, est l'inspirateur ou l'un des aspirateurs principaux de la révolution cosmopolite de 1968. Donc la devinette est la suivante, chers auditeurs, mais je la pose aussi à Jean Robin, quel est le point commun entre Baruch Spinoza, Karl Marx et Sigmund Freud? Alors c'était des athées. Et donc, ce qui est important, c'est que... Ils ont un autre point commun. C'était des hommes. D'ailleurs, c'est pareil, Baruch Spinoza n'était pas athée, il était panthéiste. Donc, il n'était pas athée, donc c'est faux. Voilà. Baruch Spinoza n'était pas athée. Non, il était panthéiste, il n'était pas athée. Il a été exclu de sa communauté parce qu'il était athée, mais bon... Non, il était hérétique, il n'était pas athée. Je vous dis qu'il était panthéiste. Donc, un panthéiste, ce n'est pas quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Quelqu'un qui croit que Dieu est la nature, Deus sive natura, Dieu, c'est-à-dire la nature. Donc il n'était pas athée. Non. Ils avaient un autre point commun. Spinoza, mais Marx et Freud avaient un point commun. Moi, j'ai une autre liste. Moi, la liste, elle commence par Robespierre et Babeuf, vous comprenez? Parce qu'avant Marx, ceux qui ont mis en place le communisme pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, et malheureusement en France, c'était Robespierre. Alors, chers auditeurs, puisque Jean Robin n'a pas la réponse à la devinette, j'attends qu'un auditeur nous donne la réponse. Quel est le point commun entre les trois promoteurs de la subversion de l'Occident, Spinoza, Babeuf, qui ont mis en place le communisme dans ce monde, n'avaient pas ce point commun avec les trois personnes dont vous parlez, vous comprenez? Donc c'est faux, en fait. Ça ne marche pas. Vous faites les listes qui vous conviennent. Vous êtes dans le sophisme. Je parle des penseurs qui ont émis des théories et qui ont eu une grande influence. Babeuf, ce n'était pas un penseur, Babeuf. Non, mais c'est, en tout cas, Babeuf a une influence limitée, très limitée sur la révolution française, à la différence de Robespierre. Je peux vous dire les réponses proposées. Alors, allez-y, réponses proposées, Pierre de Tirmont. Alors, ils étaient pervers sexuels. Il était pervers sexuel. Non, pas Baruch Spinoza, à ma connaissance. On sait rien. Pervers narcissique pour un autre éditeur. Non, c'est pas exact. Blanc. Encore que les Ashkenazes ne soient pas tout à fait blancs. Hein. Certains. Quelqu'un dit ils sont tous circoncis. Ben, ils sont tous juifs, oui, c'est exact. C'est tous circoncis, certainement. Ouais. Ouais. C'était trois juifs. Voilà, beaucoup sont antisémites aussi. Marx était antisémite. La réponse est que Baruch Spinoza, l'inspirateur de la révolution jacobine, l'horrible révolution de 1789, Karl Marx, l'inspirateur de l'horrible révolution communiste bolchevique de 1917, et Sigmund Freud, l'inspirateur ou le principal inspirateur de la révolution cosmopolite de 1968, dont nous subissons aujourd'hui les effets, étaient tous les trois juifs. C'était certainement un hasard. Dans votre monde, il n'y a pas de hasard, évidemment. Ah, si. Non, mais là, en l'occurrence, en matière de subversion, je ne crois pas que ce soit un hasard, effectivement. Mais Robespierre n'était pas juif, cher Henri de Lesquin. Robespierre était baptisé catholique, alors est-ce que ça vous intéresse ou pas? Là, non, ça ne vous intéresse pas.
Nous avons un don de JT, merci JT, merci. Qui nous pose une question. La maîtrise du moteur thermique est un des principaux atouts de l'Europe. Comment comprendre son interdiction à partir de 2035 en Europe sans y voir une main de la Chine? Pourquoi ce suicide économique? Je vois pas le rapport avec la Chine. Le suicide économique, à mon avis, c'est un suicide économique, effectivement, qui est dû à un délire. Un délire fondé sur une fausse croyance, qui est celle du réchauffement climatique causé par l'homme, et en particulier par les émissions de gaz carbonique. J'ai d'ailleurs dit souvent, parce que c'est du bon sens, que si le gaz carbonique produisait le réchauffement climatique, les écologistes devraient tout de suite cesser de respirer et mourir, puisque quand on respire, on absorbe de l'oxygène et on expire du gaz carbonique. Voilà, la théorie du réchauffement climatique causé par l'homme est un bobard. Hein, nous l'avons démontré de toutes les manières possibles. Des auteurs très savants l'ont démontré, trois membres de l'Académie des sciences françaises, à savoir Claude Allègre, lisez son livre qui est quand même fondateur sur le sujet, hein, qui doit s'appeler le réchauffement climatique, c'est imposture, quelque chose comme ça. Ensuite, comment s'appelle-t-il déjà? Paul de Valls et... le dernier nom m'échappe, mais il est très connu. C'est l'auteur. C'est un membre de l'Académie des sciences qui a. C'est Gervais, non? Non, Gervais n'est pas dans l'Académie des sciences. Oui, c'est un grand savant, mais il n'est pas dans l'Académie des sciences, mais ça me reviendra. Il n'y a pas d'argument d'autorité en l'occurrence, et je répète que. Là, on voit encore le problème épistémologique des modèles mathématiques. Ce sont les modèles mathématiques du climat qui font croire qu'il y aurait cet effet. Et ces modèles mathématiques sont invalides. Voilà. La meilleure preuve, c'est que, enfin, on a un argument très simple d'ailleurs qui a été évoqué par Claude Allègre, c'est que si on ne peut pas prévoir le temps qu'il va faire dans 10 jours, comment voulez-vous qu'on le prévoie dans 10 ans ou dans 100 ans? Voilà, donc. Alors, je peux répondre quand même sur le lien avec la Chine, puisque ça ne vous paraît pas évident. Il n'y a aucun lien avec la Chine. Aucun lien. Comment? Il n'y a aucun lien aucun avec lien. La Chine. D'accord. Donc, la Chine étant quasi monopole sur les batteries électriques. Et sur les terres rares. Donc ce sont les matériaux dont on a besoin pour les voitures électriques. C'est vrai. Et donc le but aussi de la Chine, c'est de détruire l'Occident. C'est pour ça qu'elle pousse, comme la Russie, le réchauffement climatique, cette théorie foireuse en effet, pour être moins poli que vous, parce qu'en effet, moi je trouve que on est dans le lysenkisme, et là je vous rejoins parfaitement. Mais ça, c'est Lysenko, c'était l'URSS justement. Donc on voit bien les communistes, à chaque fois qu'ils poussent une théorie scientifique qui n'est appuyée sur rien. Si on regarde le GIEC il y a 15 ans, ils se sont trompés sur à peu près tout. Mais ça, évidemment, on ne regarde pas trop sur ce qu'ils ont dit il y a 15 ans, puisque maintenant, ils nous disent dans 15 ans, attention. Donc ça, depuis le Club de Rome même, on pourrait remonter jusque-là. Et je précise que tous les défenseurs, quasiment tous les défenseurs de cette thèse du réchauffement climatique sont des communistes revendiqués. Jean Covici, récemment, a dit sur France Inter, radio d'extrême-gauche, qu'en tant que communiste, il voulait l'interdiction de plus de 4 voyages dans toute notre vie dans un avion. Donc oui, ça, c'est un taré charlatanesque, hein. N'insistons voilà. Pas. Non mais alors, écoutez, l'origine, vous qui aimez bien les complots, on peut dire que cette théorie fantastique du réchauffement climatique causé par l'homme est un complot. Alors à l'origine, je n'entre pas dans les détails, mais à l'origine c'est une théorie qui remontait à Arrhenius et qu'on a relancé dans les années 1950, mais c'est un complot qui a été monté par un certain Strong, je ne sais plus quel était son prénom, Strong qui veut dire fort en anglais, qui était un homme liche de Rockefeller. Et cette théorie a été développée par Strong, qui était devenu secrétaire général adjoint de l'ONU, et on peut voir très bien l'intérêt qu'avait cette théorie. L'intérêt qu'avait cette théorie, c'était de pousser au gouvernement mondial, à l'État mondial, parce que si le gaz carbonique émis par l'activité humaine provoque un réchauffement climatique qui serait catastrophique, eh bien, tous les États sont concernés. C'est-à-dire que le gaz carbonique qui est émis en France se répand partout, mais celui qui est émis en Chine se répand partout, etc. Donc il faut une régulation, comme on dit, une réglementation mondiale, pour réduire cette émission de gaz carbonique ou des autres gaz à effet de serre. C'est David Rockefeller, donc, qui était le pape de la superclasse mondiale en gestation,
qui a lancé, avec son âme lige Strong, qui a lancé cette idée, ce plan, et ça s'est illustré en 1992 par le sommet de Rio, où on a aussi lancé les formules du développement durable, et toutes ces millevesées écolo, et nous en souffrons actuellement. Donc, pour le redressement de la France et de l'Occident et du monde, il faut se débarrasser de ces superstitions pseudo-scientifiques. Je suis tout à fait d'accord, mais je précise simplement que je n'aime pas trop quand vous citez comme ça des Rockefeller et autres, parce que ça a tendance à faire diversion de la Chine et de la Russie. La Chine et la Russie poussent à fond aujourd'hui pour le réchauffement climatique, ou pour sa lutte, parce qu'ils veulent détruire l'Occident, et notamment l'économie capitaliste. Jean-Robin... Les États-Unis se sont retirés des accords de Paris sous Trump. Donc ça veut dire que c'est la gauche américaine, et oui, c'est normal, c'est évidemment la gauche, donc la gauche c'est des antipatriotes qui poussent à la destruction de leur pays déjà, et de l'Occident au passage, parce que ce sont les affidés de la Chine communiste. Mais alors, Biden a payé 31 millions de dollars par la Chine communiste, ça c'est important, et Rockefeller, je veux dire, oui, c'est un collabo aussi, mais pour un gouvernement mondial, mais de nature communiste. Mais c'est non, ça qui est absolument important. Absolument pas communiste, je rappelle pour vous aussi, c'est pas à vous échapper, que la gauche est l'expression idéologique de l'utopie égalitaire, qu'elle a deux pôles antagonistes. Le collectivisme qu'a donné le communisme et le marxisme et le cosmopolitisme que nous subissons actuellement. Ces deux pôles sont antagonistes. Zhdanov était anticosmopolite, le ministre de la culture de Staline. Staline n'a jamais été antisémite, il était anticosmopolite parce que, effectivement, le marxisme est anticosmopolite. Pardon, Staline n'a jamais été antisémite ? Jamais. C'est un bobard. Ah bon. C'est un bobard. Les blouses blanches, c'était quoi ? Et il est documenté qu'il avait pour plan de mettre en place deuxième Shoah. Ça, c'est avéré. Mais je le lis complètement. C'est une invention de la propagande trotskiste et américaine. Ça, c'est pratique, non, ouais. Écoutez, alors je peux vous répondre sur l'affaire des blouses blanches. C'est une blague, l'affaire des blouses blanches. Les neuf médecins ont été accusés d'avoir voulu empoisonner les dirigeants communistes du Kremlin en 1953, quelques semaines avant la mort de Staline. Et sur ces neuf médecins, six étaient juifs, trois n'étaient pas juifs. Ça veut dire que si c'était de l'antisémitisme, le terme est mal choisi, de l'antijudaïsme ou de l'antijuivisme, Staline serait devenu antijuif quelques semaines avant sa mort. Puisque jusqu'à cette date-là, ils étaient soignés par des médecins juifs en majorité. Donc ce n'est pas sérieux. Et il faut aussi rappeler une évidence, c'est qu'à la mort de Staline, son bras droit était Lazar Kaganovitch, son numéro 2 du Kremlin était Lazar Kaganovitch, qui était juif, auteur de la Shoah de l'Ukraine, le Holodomor, et qui l'a défendu, on appelait ça le groupe antiparti, qui a défendu les mémoires de Staline contre Khrouchtchev pendant des années avant de se faire mettre au pas. Donc non, un anti-juif n'a pas un bras droit qui est juif. C'est un bobard de la propagande trotskiste et ensuite de la propagande américaine. Et même de la propagande israélienne, puisqu'il fallait quand, à partir du moment où, avec notamment Solzhenitsyn, on a su l'horreur du régime communiste, il fallait, dans la propagande de la religion de la Shoah, que puisque l'horreur de Staline était équivalente à celle de Hitler, il fallait forcément qu'il fût anti-juif, parce qu'on ne peut pas... L'horreur, c'est forcément... d'être anti-juif. Et donc on a inventé ce bobard de l'antisémitisme de Staline. C'est un bobard total. Hein. Ouais. Vous savez, vous qui connaissez bien ces questions, que Staline a déporté la plupart des juifs du RSS à l'extrême-orient, d'accord, dans une terre... Birobidjan. Il ne les a pas déportés. Voilà. Staline a appliqué le principe des nationalités. Et donc, comme les juifs étaient une nationalité, comme les autres, comme les russes, comme les bouriates, comme les kalmouks, comme tout ce que vous voulez, et il a créé un foyer juif qui s'appelle le Birobidjan, qui existe encore, d'ailleurs, mais il y a quelques dizaines de milliers de juifs. Et tout à l'heure, vous parliez des kabyles et des juifs, vous oubliez un juif kabyle qui s'appelle Moïse Eric Zemmour, qui est à la fois juif et kabyle, enfin qui est un juif d'origine kabyle, puisque les séfarades sont des berbères judaïsés, comme vous le savez. De même que les ashkénazes sont des turcs khazars judaïsés. Donc c'est pour ça que quand on parle d'antisémitisme, ça n'a pas grand sens, puisque les juifs d'aujourd'hui ne sont pas des sémites, ils ne descendent pas des juifs de l'époque de Christ. Bien, ça nous a un peu éloigné du sujet. Y a-t-il une question que vous voudriez poser de la part d'un auditeur, Pierre de Tirmont ? Je regarde ce qu'il y a. L'alliance, Salter, qui demande si l'alliance entre la Russie et la Chine est un danger. L'alliance entre la Russie et la Chine est un danger, Jean-Robin.
Évidemment, évidemment, c'est le plus grand danger que peut courir l'Occident, puisque si la Russie n'était pas l'alliée de la Chine, bon, certes, c'est la puissance la plus dotée au niveau nucléaire. Elle a d'ailleurs menacé du feu nucléaire la France, l'Angleterre, l'Allemagne depuis Kaliningrad, hein, sur sa première chaîne de télévision, ce que les Américains n'ont jamais fait. Hein. Donc ça, il faudra nous expliquer en quoi les États-Unis sont une plus grande menace alors qu'ils sont occidentaux. Je reviens un peu, mais c'est important de ne pas prendre nos alliés pour nos ennemis et nos ennemis pour nos alliés. Que je sache, les États-Unis ne nous ont jamais menacés du feu nucléaire. Bon. Ils nous protègent de leur feu nucléaire, d'ailleurs. Nous avons nous-mêmes le nôtre, mais nous ne pourrions pas nous défendre apparemment plus de 7 jours de guerre intensive, si j'ai bien compris. Donc, la Russie alliée à la Chine, c'est l'ennemi ultime, c'est-à-dire que vous avez à la fois la production industrielle du côté chinois, la production énergétique du côté russe. Donc, ce sont deux entités qui se complètent parfaitement. Et là, j'aurais tendance à dire, comme par hasard, puisque Golitsyn... Ah, ouais, mais je ne parle plus de Golitsyn, apparemment. Il ne faut pas en parler, c'est interdit. Mais non, mais vous pouvez parler aussi de Nostradamus, je vous en prie. Quoi. Bon, ça fait rire tout le monde. Hein. Voilà. Quand même, j'aimerais juste comprendre, vous ne l'avez pas lu. Comment vous pouvez le condamner d'avance? Mais je ne le condamne pas d'avance. Je le condamne parce que vous avez résumé ce qu'il a dit. Et bon, c'est pas la peine d'insister. Bon, je sais, si quelqu'un me dit que les deux font 34, je n'ai pas besoin de lire son livre de mathématiques où il a démontré que les deux font 34. Bon, écoutez, il a eu 139 prédictions correctes sur 148. Mais ce n'est pas vrai. Mais ce n'est pas ce que vous dites là. C'est faux, tout simplement. C'est faux. Vous affirmez des faussetés. Mais c'est pas vrai, vous affirmez de tout de go comme ça des choses imaginaires, voilà. Bon, non. C'est vérifiable. Mais, vérifiable, mais les auditeurs vérifieront que c'est faux. Voilà. Bon. C'est pas moi, c'est Mark Kribling qui l'a dit, c'est un historien du Hudson Institute. Bon, on est dans la. Alors écoutez, moi je vous accuserai de faire diversion. La menace principale, c'est la superclasse mondiale dont David Rockefeller était le pape. Et dont George Soros aujourd'hui est un des agents les plus importants, les plus connus en tout cas, mais enfin qui se réunit à Bilderberg, à Davos, c'est aussi le CFR américain bien sûr, le Royal Institute of, Royal en anglais l'Institut Royal d'affaires internationales à Londres, j'en ai oublié certainement, la Trilatérale bien sûr, voilà. Et c'est donc ces organisations qui sont au sein de la superclasse mondiale, qui est une classe sociale, hein, dont Samuel Huntington, dans « Qui sommes-nous ? Who are we ?», a pour la première fois donné un nom, « Global Superclass » en anglais, « Superclasse mondiale ». C'est une classe sociale d'un nouveau genre qui couvre le monde entier. Et j'aime à dire qu'aujourd'hui, la lutte des classes, qui n'a jamais cessé, bien sûr, oppose essentiellement tous les peuples du monde à la superclasse mondiale. Et donc, quand vous insistez sur la Chine, vous faites diversion. Vous m'avez accusé de faire diversion. Moi, je dirais que c'est vous qui faites diversion pour qu'on ne voit pas la vraie menace, qui est d'abord l'impérialisme américain de Biden, et ensuite, et d'abord, et avant tout, et au-dessus, l'hégémonie de la superclasse mondiale qui détruit nos identités, qui nous impose... avec la religion de la Shoah, notamment l'immigration, mais aussi le nihilisme moral, le mariage homosexuel, l'avortement, et ainsi de suite. Voilà, ça, c'est... C'est là où la Russie interdit de nier la Shoah. La Russie a le taux d'avortement le plus élevé au monde, quasiment. Bien plus élevé, en tout cas, qu'en Europe, et même qu'aux États-Unis. Eh ben, c'est bien donc, triste. Ça ne colle pas à votre histoire. Pourquoi dites-vous que ça ne colle pas ? Je ne vois pas pourquoi ça ne colle pas. Pourquoi dites-vous que ça ne colle pas ? La Russie, j'ai jamais fait l'apologie de la Russie. La Russie de... J'avais même critiqué Poutine dans une note en 8 points en disant que Poutine avait signé les accords de Paris, qui étaient aberrants pour un pays peu producteur de pétrole, d'hydrocarbures, de gaz et de pétrole, que Poutine n'avait pas rétabli la peine de mort, qu'il n'avait pas interdit l'avortement, qu'il avait fait une loi Guesso, une super loi Guesso, et il reste dans l'idéologie de la grande guerre patriotique, ou qu'il amène à dire de manière excessive... qu'il combat l'Ukraine parce que l'Ukraine est nazie. Alors il y a des nazis en Ukraine, ou des hitlériens, il faudrait mieux dire, mais on ne peut pas résumer l'Ukraine aux nationalistes qui sont effectivement des néo-hitlériens, ça ne se réduit pas à cela. Et donc
il exploite d'une manière abusive le souvenir de la Seconde Guerre mondiale et de la grande, qu'il appelle la Grande Guerre patriotique. Mais je dirais que si j'ose dire, c'est de bonne guerre. Ça permet de mobiliser son peuple pour une cause qui est une cause d'intérêt national, qui est de sauver l'Ukraine, d'empêcher l'Ukraine de tomber dans l'OTAN. Okay. Donc, alors, vous dites que c'est une menace que la Russie soit alliée de la Chine. Une menace pour qui ? Pas du tout une menace pour nous. Une menace pour l'impérialisme américain. Oui, ça, oui. Et que la Chine soit l'ennemi principal des États-Unis d'Amérique, ça, je le pense. Qu'elle soit l'ennemi principal de la France, sûrement pas. La menace principale qui est la menace Yankee, et une deuxième menace qui est encore plus importante, qui est la menace de la superclasse mondiale. Voilà les menaces les plus graves. Il n'y a aucun lien entre la Chine, donc son modèle chinois, et les mesures qui ont été mises en place par le raffiné Macron, qui se dit maoïste hein, lui-même, ces trois dernières années. Vous ne faites aucun lien. Vous avez dit que vous étiez pour le vaccin chinois. Vous êtes allé jusque-là. Hein. J'ai votre citation. Sur cette radio, d'ailleurs. Je n'ai jamais dit que j'étais pour le vaccin chinois. Qu'est-ce que vous racontez ? Si. J'ai la citation. Mais attendez, vous n'avez pas compris. Je pense que tous les vaccins, pense que tous les vaccins contre le Covid sont dangereux. Ils ont été bricolés rapidement. Je crois que sur ce point, Didier Raoult a dit la vérité sur ce sujet particulier. On a intérêt à se faire vacciner contre les effets délétères du vaccin. Que si on est une personne à risque, si on a des facteurs de risque, les facteurs de risque étant bien connus, c'est le grand âge, l'obésité ou le diabète. Par exemple, si on n'est pas dans ces cas-là, on n'a aucun intérêt. Au contraire, on prend des risques en se faisant vacciner. Moi, je connais plein de gens qui ont eu des effets désastreux après avoir été vaccinés. Hein. Donc, non. Mais le 29 janvier 2022, sur cette radio, j'ai isolé l'extrait. Si vous voulez, il est sur mon Twitter, je pourrais le rediffuser. Vous l'avez sorti du contexte. Vous l'avez sorti du contexte. Le contexte, c'est que vous disiez, il vaut mieux prendre le vaccin chinois que le vaccin ARN occidental. Ah oui, ça c'est possible, mais ça voulait dire qu'il n'y avait aucun vaccin. Oui, parce que le vaccin chinois, comme un autre vaccin, j'ai oublié le nom, n'est pas un vaccin ARN messager. Et j'ai dit, dans le doute, les vaccins ARN messagers sont très dangereux, ou sont peut-être très dangereux, et donc il faut les éviter. Donc il vaut mieux prendre un vaccin plus traditionnel, comme le vaccin chinois. Donc c'est vrai, oui, quitte à se faire vacciner, il vaut mieux prendre le vaccin chinois. Effectivement. Voilà, merci. Merci de le reconnaître, parce que donc vous préconisez que ceux qui nous ont envoyé cette attaque, que vous ne reconnaissez pas comme une attaque, nous donnent aussi le vaccin. Formidable. Mais non, attendez, il y a des vaccins qui ne sont pas ARN messager, qui ne sont pas le vaccin de Johnson, je crois, qui n'est pas un vaccin ARN messager, et qui n'a rien de chinois. Donc non, j'ai des doutes formels sur le vaccin chinois. Hein. Je crois qu'il vaut mieux prendre un vaccin occidental comme le vaccin de Johnson, si ça, je crois que c'est Johnson, hein. Plutôt que le vaccin chinois. Mais quitte à se faire vacciner, je dis évitons le vaccin ARN messager, c'est tout ce que je dis. Parce qu'il peut y avoir transcription inverse. Pardon ? Vous avez ajouté prenez le vaccin chinois. Il vaudrait mieux. Je dis, si vous n'avez pas compris, moi je vous dis ce que je voulais dire. Je vous dis, il vaut mieux éviter le vaccin ARN messager, prendre un autre vaccin. Donc le vaccin chinois n'étant pas un vaccin ARN messager est moins mauvais, moins risqué que le vaccin ARN messager. Mais en revanche, on trouve des vaccins occidentaux qui sont aussi des vaccins normaux, c'est-à-dire des vaccins à virus inactivé et pas des vaccins à ARN messager, parce que le risque, c'est la transcription inverse qu'on ne peut pas exclure, c'est-à-dire que le virus... l'ARN messager pourrait passer dans le génome. Si ça se produit, ça serait catastrophique. Ça sera transmis à la descendance. Je précise que de toute façon, les vaccins type Pfizer ont été co-développés avec l'armée chinoise. Ça a été révélé par Naomi Wolf notamment. Et donc, c'est tout des vaccins chinois partout. Votre insistance sur la Chine vise en réalité à faire diversion. Personne n'en parle. Vous voulez vraiment que l'on ne voit pas la menace que la menace chinoise que vous dites, qui existe, qui est réelle. Donc il faut interdire TikTok, par exemple, qui est réelle, nous fasse oublier les menaces principales, la menace américaine, la menace Yankee, d'une part, et la menace cosmopolite de la superclasse mondiale, d'autre part. Voilà, ça, ce sont les menaces principales. Les émeutes urbaines dues à l'immigration l'ont démontré pendant 5 jours. Donc, maintenant, ça n'a rien à voir avec le communisme, ça c'est délirant ce que vous dites, ça n'a rien à voir avec le communisme.
Non, ce qui est important, c'est que cette superclasse mondiale dont on parle, là, il faut savoir qui sont ces gens. Or, je suis le seul, je suis désolé d'être le seul, moi j'aimerais bien être rejoint par d'autres. Ne parlez pas toujours de vous. Je suis le seul à avoir dit... Ne parlez pas de vous. Attali, vous connaissez Jacques Attali. Bon. Il a créé avec Jean-Pierre Raffarin, en 2013, la France-China Foundation, avec les young leaders de la France-China Foundation. Voilà. Personne ne l'a jamais dit, vous y compris, à ma connaissance. Pourquoi vous vous trompez, je l'ai déjà dit. Les young leaders de la France, au contraire, je l'ai déjà dit. Jacques Attali. Je l'ai déjà dit. Et je trouve qu'il y avait Martin Valls. Je crois que Martin Valls faisait partie. Même Macron a dû en faire partie des young leaders de la France China Foundation. Oui, donc c'est absolument vrai. Non, mais je parle de Jacques Attali, là. Ouais. C'est lui qui l'a créé avec Raffarin. Pourquoi vous n'en avez jamais parlé, par exemple, puisque Attali fait partie de la superclasse mondiale, en effet, et que je ferai diversion, moi, des États-Unis. C'est vous qui faites diversion de la Chine. Pourquoi on reproche à Attali d'être proche des États-Unis alors que ce n'est pas vrai, mais qu'il est proche de la Chine. Soros, pareil, il a déclaré en 2009 dans le Financial Times que la Chine devait remplacer les États-Unis à la tête du nouvel ordre mondial. Est-ce que vous en avez déjà parlé? Écoutez, moi, je vous dis que la menace principale, c'est la superclasse mondiale. C'est elle qui nous détruit. Vous n'en avez jamais parlé. Écoutez, c'est ça que ça veut dire. Écoutez, non. C'est pas moi qui fais diversion de la Chine. Moi, je dis les faits. Là, la superclasse mondiale non, est dans les vous mains dites pas les de faits, la Chine. D'abord, vous dites pas les faits. Vous inventez des faits en vous appuyant sur des délires des auteurs que vous citez. Et vous exagérez. Alors, attention, pour ceux qui ont pris le train en marche et l'émission en cours, oui, la Chine est une menace. Je vois que ça fait un point commun avec mon interlocuteur. Oui, la Chine est une menace qu'il faut combattre. Il faut interdire TikTok, parce que TikTok. Application chinoise exploite les données personnelles des Français. Et il faut se défendre contre la concurrence déloyale des entreprises chinoises. Il faut s'opposer évidemment à la subversion chinoise par ses agents d'influence, en ayant à l'esprit que les agents d'influence américains sont 100 fois plus nombreux et 100 fois plus puissants que les agents d'influence chinois. Hein. Mais sur quoi vous basez? Parce que, est-ce que si on peut parler de la French American Foundation, elle n'existe quasiment plus depuis 2012, alors que ses équivalents, France China Foundation, mais aussi Paris Shanghai Club, dont fait partie Olivier Véran, est-ce qu'on peut parler d'Olivier Véran? Est-ce qu'il n'a pas eu une influence sur notre vie, celui-là, catastrophique? C'est un agent du Parti communiste chinois. Non, en 2019, il est young leader de la France China Foundation, comme Maël de Calan de McKinsey qui a imposé la vaccination. D'accord. Il est membre du Paris Shanghai Club depuis 2018. C'est Olivier Véran qui est nommé par Macron. Jean-Robin, est-ce que une pandémie venant de Chine? Au bout d'un moment, il faut bien arrêter de se cacher les yeux. Là, les États-Unis n'y sont absolument pour rien. Jean-Robin, êtes-vous d'accord pour dire que la Chine est l'ennemi principal des États-Unis d'Amérique? Ah oui. Et de l'Occident. Non, attendez. Dans son ensemble. Alors voilà. Alors d'abord, vous. Excusez-moi. Nous faisons partie de l'Occident, monsieur Lesquin. Eh bien, alors là, on est dans une erreur idéologique, une erreur philosophique totale. L'Occident, c'est une civilisation. Et ce n'est pas une entité politique. Et c'est une entité politique quand justement l'impérialisme américain veut la faire passer pour une entité politique grâce à l'OTAN. Je donne cet exemple qui est classique. Notre excellent roi François Ier s'est allié avec le Grand Turc contre Charles Quint. Ben, le Grand Turc, c'était l'Orient. Et donc, il n'a pas. L'Occident n'est pas une entité politique. Elle ne doit pas l'être. Donc, les États-Unis d'Amérique font partie de l'Occident, c'est évident, ceux qui disent le contraire. Comme la France. Donc nous sommes dans une entité culturelle commune qui s'appelle la civilisation occidentale, avec les pays de l'Ouest de l'Europe, avec les pays d'Amérique du Nord et du Sud, et dont les États-Unis d'Amérique. Voilà, c'est la même civilisation. Mais y a-t-il des valeurs occidentales, monsieur Lesquin? Bien sûr. Il faut les défendre. Précisément. Ceux qui les attaquent, mais précisément, il y a une hiérarchie des valeurs plutôt que des valeurs à proprement parler. Mais passons, ne rentrons pas dans ces détails. En tout cas, ce n'est pas parce que les Anglais ou les Allemands étaient dans la situation occidentale que nous n'avons pas fait la guerre aux Anglais et aux Allemands. Bon. Et donc, aujourd'hui, la menace principale pour la France, son destin, d'abord son indépendance, c'est de sortir de l'aliénation culturelle américaine, qui passe par tous les pôles, par la musique dégénérée qui vient des États-Unis. La langue anglaise qui nous envahit partout et qui surtout se traduit par le fait que nous avons à la tête du gouvernement des gens qui sont des agents d'influence américains. Bon. Alors est-ce que vous pouvez avouer, Jean Robin, que vous êtes un agent d'influence américain? Moi, je suis un agent d'influence de la France. Avouez que vous êtes un agent d'influence américain. Américain? Vous essayez de nous faire passer, parce que c'est l'intérêt des Américains de faire croire que la Chine est, pour tous les pays d'Occident,
dont la France, un ennemi au même degré que pour eux. Pour eux, oui, la Chine peut être considérée pour les États-Unis. Si j'étais américain, je dirais oui, la Chine est l'ennemi principal pour mon pays. Mais la France, pas du tout, la Chine, c'est loin. La Chine ne va pas nous envahir. Mais... Alors, c'est vrai que vous êtes à Mauréa, c'est-à-dire à côté de Tahiti, très loin. Et donc, effectivement. Il y a eu 500 morts ici du virus. On va recommencer. Vous l'avez déjà dit tout à l'heure. C'est un virus chinois, monsieur Delesca. Vous ne recommencez pas. C'est pas un virus américain. Ne recommencez pas. Ne recommencez pas. On va dire que vous radotez si vous répétez ça. Donc, vous l'avez dit. On a compris. La répétition est œuvre de pédagogie. Non, mais écoutez, vous n'avez pas besoin de pédagogie pour dire une chose évidente. Bon. Surtout que, enfin, surtout que je n'ai pas vérifié aux 500 morts, mais je n'ai plus grand doute. Mais en passant. Donc, la Chine est l'ennemi principal des États-Unis d'Amérique. La Chine n'est pas l'ennemi principal de la France, parce que l'impérialisme Yankee est un ennemi beaucoup plus important, et la superclasse mondiale est un ennemi beaucoup plus important pour la France. Et d'ailleurs, pour le monde entier. Donc ça c'est faux. Toutes les mesures qui sont mises en place par des affidés de la Chine communiste, Macron s'est dit maoïste. Il s'est pas dit thatchérien ou réganien. Je sais pas s'il a dit qu'il était maoïste, mais ça devait être une blague parce qu'il n'a rien, il n'a rien de maoïste. Mais c'est pas sérieux, il n'est pas marxiste. Il a dit que c'était dû à la longue marche de Mao. C'est ce qu'il a déclaré pendant la campagne de 2017. Il a peut-être déclaré des âneries de ce genre, mais il n'est absolument pas maoïste. Ouais. Macron est complètement cosmopolite. Il n'est pas du tout marxiste. Le marxisme et le cosmopolite sont opposés. Voilà. C'est ce qu'il faut bien comprendre. Il faut bien comprendre ce que sont les idées politiques. Hein. La gauche a deux pôles antagonistes, le communisme, enfin le collectivisme, d'une part, et le cosmopolitisme, d'autre part. Donc écoutez, l'heure tourne, il nous reste 3 minutes. Est-ce qu'il y a une question encore à poser de la part des auditeurs? De questions, si vous voulez. Léon Bourgogne, je crois, vous demande si vous avez déjà visité la Chine. Oui, 6 jours. C'est aussi de la visiter. Mais écoutez, d'ailleurs, je n'ai pas traité le sujet que j'aurais voulu traiter, c'est le fait que la Chine était incroyablement surestimée sur tous les plans. De sa puissance, pour avoir son PIB réel, il faut diviser par pi, par 3 si vous préférez, son ancienneté, c'est le niveau de sa civilisation, enfin, tout, j'appelle ça le complexe de Marco Polo, mais ça mériterait une émission différente. La Chine est surestimée dans tous les domaines, notamment par ceux qui veulent faire croire que c'est une menace principale. À vous, Jean-Robin. Alors, moi, je dirais, bon, bah, on a eu ce débat, je vous remercie. Non, ce n'est pas un débat. Ce n'est pas un débat. Finalement, c'était un débat, mais c'est pas, c'est très bien. Moi, je vous propose de venir sur ma chaîne pour débattre d'autres choses, parce que vous êtes érudit sur cette question de l'histoire de France. Et là, ce que vous avez dit sur François Ier, je suis complètement en désaccord. Je pense que c'est un des pires rois de France, qui a tout échoué. Face à Charles Quint, il a échoué à nous obtenir le Saint-Empire romain germanique. Il a échoué à faire une alliance avec l'Angleterre en humiliant le roi. Il a tout échoué. Il s'est fait prendre sur le champ de bataille, ce qui est le cas de peu de rois de France. Et donc, j'aimerais avoir ce débat avec vous sur l'histoire de France. C'est arrivé à Saint-Louis. Hein. Voilà, bah, les plus nuls, en fait, on est d'accord. Mais j'imagine que Saint-Louis est un très bon roi pour vous. Ah bah, c'est le meilleur roi de France, hein, Saint-Louis. Voilà. Donc, ouais. Il s'est fait prendre sur le champ de bataille, mais c'est un très bon roi. Bah, donc, j'aimerais débattre de cette question avec vous. Sur ma chaîne, cette fois, je vous rendrai l'obligeance. Et si vous le voulez bien, on parlera notamment du rôle du catholicisme en France. Est-ce que l'Église catholique est du côté de la France jusqu'à ce jour ou pas? Est-elle un de nos pires ennemis puisqu'elle est immigrationniste, notamment? Là, vous n'avez pas cité tout à l'heure, parmi les grandes causes de l'immigration, l'Église catholique française. L'Église catholique française aujourd'hui est complètement en décadence, c'est évident. D'ailleurs, elle est à peine catholique. Hein, avec le pape François qui est complètement hérétique, c'est clair qu'aujourd'hui, l'Église catholique est en plein dans l'action anti-française. Mais est-ce que c'est d'aujourd'hui? Parce que le traité de Tordesillas de 1494 excluait la France du partage du Nouveau Monde, par l'Église précisément. Donc j'aimerais débattre de ça avec vous, et vous me direz si vous voulez venir en parler sur ma chaîne. Non, bah écoutez, non, merci. Je pense que le mieux, c'est que, éventuellement, si vous trouvez un meilleur sujet que la Chine ou un autre sujet que la Chine, nous en parlions. Donc, non, c'est pas la Chine, c'est la France. D'accord. Mais donc, alors, je rappelle la conclusion que nous étions arrivés. Donc, Jean-Robin pense que la Chine est une menace pour la France et que c'est la menace principale. Et moi, je dis que la Chine est une menace pour la France, effectivement, mais est-ce que c'est de loin? C'est loin d'être la menace principale. Que la menace principale, c'est l'impérialisme Yankee, d'une part, et la superclasse mondiale, d'autre part. Bien, merci Pierre de Tirmont d'avoir réalisé cette émission, d'avoir posé quelques questions. Merci chers auditeurs, rendez-vous pour ma part dans 15 jours, c'est-à-dire le 24 juillet, lundi 24 juillet à 19h. Allez, shalom Jean-Robin. Au revoir.